Salut tout le monde! Donc, c'est l'épisode 68 du podcast cette semaine. Puis, comme à l'habitude, on va parler de nos semaines. Puis, depuis les trois dernières semaines, on a chacun fait l'acquisition de, euh, de pièces de voiture, de véhicules, mais aussi de motos. Fait qu'on jase ça en début de podcast. Puis, euh, pour y aller avec ça, on continue cette semaine avec un sujet particulier. On fait l'acquisition imaginaire de voitures neuves. Donc, on s'est mis un petit défi de chacun se trouver un véhicule Neuf à acheter si les moyens se présentaient. Donc, euh, des voitures principalement sportives. Donc, euh, si tu aimes ça, les voitures de l'année, c'est pour toi cette semaine. Puis, Jay nous ramène un bon vieux JDM Corner euh, donc sur la Mazda Cosmo. Si tu aimes et tu es fan de voitures euh, moteur rotatif, ça, c'est un véhicule OG, puis tu vas triper. Donc, euh, bonne semaine, bon podcast. Dans le coin droit, j'aime ça euh, aujourd'hui parce que c'est un peu laid back. C'est le retour à genre nous, j'aime ça. Mm. Mm. Il y a, y a pas de pression, puis sans pression, parce que même. Tu, Puis comme ça, je peux tenir le micro en mes mains, j'aime ça. Puis je peux vraiment, tu sais, je peux faire toutes les jokes que je pense. Tu sais, des fois, ah. quand tu as un invité, tu connais un peu moins, tu es comme, ah. Ah, je ferai pas une joke de bébé mort. Peut-être que... que sa mère écoute, peut-être que c'est ça, peut-être mm. que sa mère écoute, peut-être que son bébé, bébé va, va mort. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je me retiens dans des jokes. Pis <laughs> là, qu'est-ce que tu fais Xavier? Hein? Bienvenue au podcast 68. <rire> <rire> on fait un taste test euh, Coke-Pepsi aujourd'hui parce que moi et G on n'a jamais comparé les saveurs. Mais d'autres, c'est pas pareil. Là. Moi, moi, je bois jamais de boisson gazeuse. Ouais, bon. J'ai bu, je pense, une fois un Pepsi, mais genre juste une moitié parce que j'étais plus capable après. puis j'ai jamais bu un Coke de ma vie. Ben on, va commencer, on va commencer les deux en buvant un, un, un sprout de Pepsi. Fait que là, on va, on va, va Pepsi, mélanger les. Puis après ça, après qu'il soit fini, on va mettre du coke dedans. Ah, tu en as mis ben trop pour un gars qui oh aime pas god. ça. Oh my god! Ça sent tellement bizarre, ces, ces liquides-là. Il là. Ben, y a le verre en plastique qui fait ce bruit-là. Non! Il fait, non. Ce bruit -là. <laughs> qui fait cette odeur. Il <laughs> oh, parle aussi. Comme... <laughs> je mélange les sens. <laughs> blou, 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 blou. Ok, on va goûter au Pepsi mais, en premier. D'abord, peu. Ça, ça sent quoi pour toi? Tabarnak, c'est pas du vin, là? Hein? <laughs> Attends un peu, je vais faire tourner. <laughs> Faut que tu vois les bulles. Ça, Ça, sent... Ça sent le sucre. Ça sent la Ça Ça sent le... mélasse. Ça sent le sucre. Oh my god, tu m'enlèves les mots de la gueule. Mmh. J'enlève la mélasse. C'est de la mélasse mélangée <laughs> avec de l'eau. Pour vrai? Je vous apprends pas grand chose. J'exagère, je, mais c'est une solution qui ressemble à de la mélasse. C'est bon. J'aime le Pepsi, j'aime le Coke aussi. Je vais t'en laisser un quand même. Mais moi, je ne suis pas capable d'enlever mon verre. Je trouve ça tellement intense comme goût. Qu'on laisse ça à terre. Peut-être pas à le, le le terre. Hein. Ah, ah, un peu flat. Qu'est-ce tu parles? Flat? Je viens de jouer la canette. Je sais, mais j okay, je sais je... pas. Le, le, le Pepsi, I guess. Ben, vite, je vais goûter au Coke pendant que c'est encore frais. T'en veux-tu plus? Oui, un petit peu. Qu'on passe, passe slow cette semaine, tout le monde. désolé, si on commence par un taste test de Coke et de Pepsi. Il y a juste a... moi qui. La semaine prochaine. Le Coke sent même. pas la mélasse. C'est vrai, il sent pas ça. Il sent vraiment il le sent... colis de sucre, par contre. Ouais, c'est peu. C'est juste plus sucré. Il sucre. sent moins fort, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai que ça sent moins fort. C'est juste plus sucré. Ah, je bon <laughs> mon <laughs> Coke. <laughs> c'est juste plus sucré, même. Euh, verdict pour moi. Oh! Regardez pour moi. Wow, c'est différent? Ouais. Je Damn. préfère définitivement le Pepsi. I said it. Je l'ai oh, dit. Ouais. dit tout le monde. Maintenant, c'est dé définitif. Maintenant, je le sais. Toute ma vie, moi, j'étais Coke, Pepsi ou whatever, de moi n'importe quoi. Oh. C'est bon. Ouais. Mais, là, mais là, maintenant j'ai goûté, goûté les deux pour la première fois un à côté de l'autre, ouais. Wow, je suis désolé là. Je suis Pepsi. Moi, ça va être Coke. Nah. Je préfère le goût du Coke. Wow. Bye. C'est <laughs> un débat sur le pepsi pis le coke non toi tu voulais le coke hein Tommy oh, oui. okay. ben clairement parce que tu l'aimes pas tu viens de dire publiquement que tu l'aimes pas <laughs> Tu fais vomir publiquement comme si on avait 12 000 je à préfère dormir. le petit goût sucré du, euh, du coke le pepsi ça mais c'est plus sucré je trouve ah. le coke ici c'est ouais. pepsi ouais. ça fait genre leur slogan il fait penser que c'est québécois on dirait ben c'est ça le but c'est que le monde s'attache localement. Ah, ça. ça marche. Ouais. Parce que c'est sûr qu'au Japon, ils ne t'ont pas dire « ici, c'est Pepsi. Quand je <laughs> suis Pepsi. Qu'est-ce que tu regardes là Les valeurs calor... calorifiques, c'est déjà trop pour ton petit la, monde. La, la teneur en caféine, 34 mg. Ouais. Il y a de la caféine là-dedans 38 mg. Il y a plus de caféine dans le Pepsi. Ah oh, a... ben. Pour ça, j'ai des battements irréguliers. C'est comme des boissons énergie ben oh, oui, ben il veut pas, oui parce ouais. que c'est fucking sucré. Oh, ouais. Hey, je voulais te dire que le nouveau uh, job il en boit six par jour non <laughs> Oui, il y a sa caisse. Non, il y a une caisse en arrière de lui. Six par six jour, jour c'est pire, c'est pire qu'une addiction à coke. C'est dangereux. <laughs> Genre. C'est Dangereux. Hey, fait que sur ce ouais, le, bon le début de podcast numéro 68 euh, le Coke et le Pepsi c'était le sujet principal on va y voir l'historique complète de ces deux compagnies là c'est pas, pas, pas vrai c'est pas vrai euh, on a un beau sujet aujourd'hui on va parler de nous trois ce qu'on aimerait avoir comme voiture neuve ouais, donc c'est ça qui va commencer un peu le sujet du jour par ouais. contre là ça fait quand fucking trois semaines qu'on s'est pas vu ouais. on s'est chez genre depuis ce temps là <laughs> Puis... <laughs> on se parle pas entre, entre on, les podcasts on, on se parle littéralement pas pendant tout à chaque jour là. on se dit les hey, ouais. boys j'en que j'ai une nouvelle j'ai le goût de vous écrire mais là on se dit tout le temps hey on regarde le podcast pour le podcast <laughs> Fait que là, dans les trois dernières semaines, Tommy euh, il est arrivé quoi? Parce que je suis concentré par exemple qui tient son micro comme dans un match de lutte là. <laughs> j'aime mieux, j'aime ça parce que je peux être genre évaché dans la <laughs> laid chaise. Late back uh, Laid-back, en c'est une lunettes de soleil. Je voudrais la <laughs> chaise à, à deux je suis hangover. Euh, je voudrais <laughs> la chaise à PewDiePie. <laughs> <A> PewDiePie. <laughs> Mais euh, ouais ça, pendant les trois dernières semaines, j'ai ben euh, fait les lumières de Maxime, qui est notre Sandman, qui est pas là aujourd'hui. Euh, C'est une ça... lumière de Miata Salut à Maxime Bonjour ouais, Maxime. Salut Max. euh, C'est bien lumière de Miata Qui dans le fond euh, Je l'ai déjà expliqué là, Je me trompe pas Dans un épisode d'avant mais... Ouais je pense La dernière T'en avais parlé Tu le faisais là. Ouais, ouais t'avais teinté ces lumières Avec euh, À la peinture Ouais VHT ou VHT ouais, avec un clear dessus Puis là en mettant le clear Ça fait deux fois Que le clear Il genre Il ballonne Il craque dans le fond Il craque Pis il fait comme des ballons Fait que ça fait deux fois Je le recommence ça Fait que là je suis tanné <laughs> Nice ça Fait que je crisse tout en feu mais euh, qu'est-ce que tu penses qui fait ça? Mais là, on, a, on en a parlé tantôt, euh, puis je pense que c'est vraiment le froid. Parce que je l'ai fait au garage les ouais. deux fois. Puis les deux fois, le garage était en bas de 20 degrés. Ouais, ça que, que ça Je me doute pas, que c'est peut-être une ouais. des raisons. Je ne suis pas peintre, mais les, quand je regardais des vidéos sur YouTube, souvent, les mondes. Les, les, mondes les mondes? La guerre des mondes. Il y avait, <laughs> y avait leur paint boot qui était genre. <laughs> chauffé. Ouais, quand même assez chaud. Ouais. Mais il y a sens, ça. Mais... Pis je ben je connais tellement rien en peinture, là, que je m'en dis <laughs> sur des théories. Là. Fait On va demander à toi, <laughs> si jamais tu es puis, un professionnel ouais. de la peinture, peux-tu ouais. nous expliquer pourquoi du clear, ça ne tient pas <laughs> Est-ce que c'est parce ouais. que, -ce que... Si tu en shoot genre, plus, beaucoup, puis après ça, tu fais juste polir. Mais... Ça va faire partie des J'ai suivi les Donc, étapes pas... normales d'un peintre. Okay. J'ai ressemblé à l'eau, fait que j'ai fait un bon semblage au mille pour enlever toutes les impuretés en dessous, puis toutes les, 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 les gogosses. Après ça, j'ai nettoyé ma surface, j'ai attendu qu'elle soit sèche, puis j'ai mis genre trois couches de clear, puis du clear à plastique. Fait que mm. Là, je suis comme, je, je peux pas, euh, pas réinventer la roue, là, t'sais. Ouais. Il hein. me semble que j'ai tout pour réussir, là. Ouais, je pense que toi, ce serait toi le problème. Ouais, ouais. Le <laughs> gars, <laughs> je reste dix minutes à la même course. place, genre le, le clear, je fais genre de mouton, là, puis je vais faire ça plus tard. Ouais. Fait que Puis euh, avec Max aussi, j'ai été chercher un champ. Un, un flip pour moi pis Max. Ouais, c'est gentil ça pour être déplacé pour moi. Pis euh, <laughs> j'ai vraiment passé une soirée de merde. <laughs> Parce que pour ceux qui <laughs> savent pas, là. Euh, je ben, disais, explique! Qu'est-ce que tu qu que es allé chercher? Ben c'est un Mazda euh, 5. Manuel. Ouais, manuel. Un euh, minivan. Ouais. Que les mm -hmm. gars voulaient flipper, qui n'était pas cher. Euh, pis il était pas trop loin de, de, de Maryville, donc de chez moi. Fait que il était comme un grand big Pour ceux qui savent pas flipper le terme c'est euh, si jamais vous écoutez le podcast vous ne comprenez pas c'est acheter une voiture la, la réparer les petits j'achète des problèmes pour qu'elle soit roulable c'est pas pas littéralement flipper un char à l'envers ben non. on voulait le faire littéralement avec la corolla <laughs> parce qu'en ce moment il me fait chier mais ça c'est un mais autre c'est un autre débat <laughs> Euh, fait que c'est ça que Max me dit « Hey, tu veux venir avec moi, euh, venir le chercher ?» là, là. Puis euh, en arrivant là-bas, il me dit « Ouais, il faudrait que tu me suives de proche, il n'y a pas de chauffage. » Ouais, c'est ça. Les, les deux problèmes majeurs de ce véhicule-là, c'est que la résistance de chaufferette est sautée. Ouais. Puis dans ce modèle-là, vu que c'était c'est électronique dans le fond, je pense, ouais. le chauffage, dès qu'elle saute la résistance, il n'y en a plus une qui marche, une ouais. vitesse. puis Même full. Pour mettre en contexte, Max a comme deux personnalités une personnalité qui est vraiment vivable euh, puis qu'on aime beaucoup puis aussi son deuxième personnage qu'on surnomme Patricia euh, qui est une t'as ça vient du film euh, ouais euh, pas glace mais ah, ah oui oui t'as raison euh, euh... split 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 exactement exact, exact. Euh, pour exact. ceux qui ont écouté le film split dans le fond sa personnalité il y a une personnalité que c'est une genre de femme un peu euh... Foilier, je ne sais pas comment dire, là, mais comme. Une euh, germaine. Ouais, mais elle, elle a comme vraiment des sursauts d'énergie. Ah, de... oh, puis. Ouais. En tout cas, fait on, on a surnommé Max, sa deuxième personnalité, par cette personnalité-là, par ce nom-là. Puis euh, quand que ça saute, c'est comme incontrôlable. <laughs> puis en arrivant là-bas, j'ai dit Hey, vu que c'est moi qui chauffe tout le temps les poubelles, je vais chauffer ton char avec le chauffage, puis tu prendras l'autre. C'est Il... un peu normal. Là. Il a ouais. pas aimé ça. Parce que d'habitude, c'est moi qui les prends les poubelles, puis qui les ramène. Il est vraiment gentil. Tu t'es popé, là, en parenthèse. J'ai déjà ramené un char de Sherbrooke, puis quand je suis arrivé, il dit Attends, juste te montrer qu'est-ce qu'il y avait. Il prend la roue, puis il la chèque. La roue, t'en rien arraché. Puis il se trouvait drôle que j'ai ramener ça de Sherbrooke, là. tu que t'as failli mourir dans ouais, le flip pour moi. T'as failli tuer. En tout cas. Puis il dirait présentement que je capote, là, mais. Là, je le connais, là. J'ai sa voix à, à ma droite, là. Mais c'est ça. Fait qu'on on part de Granby puis il me dit Suis-moi de proche, mais. Facteur aussi important, il fait moins 25. Ah ouais, c'est ça, dans les grosses périodes de froid qu'on a eues. Là. Ouais, exact. Mi-janvier, no, mi grosse période de froid. Fait qu'il me dit, suis-moi de proche. Euh, tiens, faut, faut vraiment qu'on fasse ça. Puis là, on fait comme un coin de rue. Puis là, il comme, je vois absolument rien. Le windshield était, j'ai vu une photo. Là, ouais. Genre, de l'intérieur, c'était glacé, je genre une bonne épaisseur. Là. Ouais. Puis ah, avant de partir aussi, j'ai oublié de dire, il me dit, déglace, il, il me dit, genre, rends-toi rend rend serviable, déglace le, la, la vitre en avant. Fait que, de base, je suis comme, ben, je vais essayer, je déglace, ça argile tout ça, tu <laughs> dans dedans. fait qu'on a rien là. De... Fait que là, il est comme un peu fâché quand il revient, puis comme t'as rien fait, je suis comme, big, j'ai essayé, tout le windshield, ça marche pas ça bizarre, fonctionne vrai, pas, genre, ça fonctionne pas. Euh, fait que, il, il part, il fait deux coins de rue, il, il, il me regarde, il passe en avant de moi, il m'a tué d'approche je vois rien. Il y avait un carré, je pense. Ouais, mais euh, ça, c'est on... après une demi-heure de route. Ah, oh, ça, ça après une demi-heure de oui, route. Exact. Ok, vas-y, continue. Fait que si on fait deux coins de rue, puis là, il se rend compte, genre, qu'il est ait heures d'été. C'est vrai. Incapable de breaker. Il n'y a pas de d'hiver. Pas de d'hiver. <laughs> euh, il y a sa réserve. Fait qu'il faut qu a puis, il voit absolument rien. pis il a fret que le tabarnak. Puis, comme de fait, il a emmené son petit manteau de printemps. pis ses souliers. Ah <laughs> oh, ouais, ça c'est Christmas Max. Là. Que, tiens, il n'y a pas de gants. C'est ça, exact. <laughs> fait qu'il euh, y a, a peut-être des gants, là, mais je, je me rappelle pas les avoir vus. Fait qu'on arrête à la station d'essence. Puis je le sens déjà que Patricia est mi-présente. Il était pourrais la là. faire arriver facilement. Ouais, là. parce qu'il sort du champ et il dit Là, là, arrête de niaiser, faut qu'on se rende vite, j'ai pas chauffage, puis je vois rien. <laughs> j'ai rien fait, là. J'ai absolument rien fait. Fait que je comme. Attends, c'est à combien de temps de distance de route de, de... Euh, Granby m'arrive vite. Fait qu'une demi-heure. Ah, ok. Une demi-heure. Fait que là, il me dit Tu vas l'aider. Là, moi, mon GPS, là. Tu sais, je me rappelle pas exactement où est-ce qu'on est, qu est parti. Je trouve qu'on a fait trop de recoins dans, dans Granby. C'est rare que je me perds, mais là, je peux pas m'orienter. Je, je sais pas. Fait que je pars le GPS. Fait que je pars le GPS. Ça m'emmène genre dans des champs. Puis là, je, comme, je comprends pas. Genre, ça me ramène pas à ça à 112. Ça me fait prendre la 10. Là, je réalise en chemin qu'on s'en va vers la 10. Mais Max ça peut pas rentrer à la 10. Là. Ah. Il, il peut pas, <laughs> pas rouler 5 pas de windshield. Là, <rire> <rire> fait que là, je réalise ça, mais je, là, je, comme, je fais comme si de rien n'était. Je tourne dans une rue. Mais la rue, c'est pas une bonne. le GPS, mm. il va m'amener, mais il va me faire passer par des champs. Et là, je le vois qu'il commence à pomper parce qu'il avance, puis il va m'accrocher dans le cul, pis il revient. Pis... Fait que là, j'essaie de relaxer un peu. un moment donné, je l'entends juste flasher ses autres, je me torse. Tu l'entends? <laughs> <l 'entend>? euh, <laughs> excuse. il hey, le il a tiré fort sur le oh. bâton. Clac, <laughs> 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 Sur le bâton, sur le choke Fait que, genre, je le vois me flasher ses lumières, je me torse à côté. Et là, pire scène. Il ouvre sa porte passager. il fait juste la kicking, puis du dit Tabarnak, tes hosties de chemin de marde, c'est quoi ça, Collis? J'ai pas de windshield, puis là, il me pète une coche, j'ai rien dit. Fait que là, au lieu de fermer la porte, Callis le chante dans le fond, la porte, elle ferme tout seul, puis il fly tout seul d'un coup, genre. Mais il voit rien, là, il voit pas rien de plus. Fait qu'il est retourné à la maison, tout seul? Non, mais là, je le suivais, puis là, maintenant, il se résigne à dire, genre, ben, passe en avant rien. de moi, je vois rien, tu sais. <laughs> mais il. J'étais comme « Chris, j'ai pas fait exprès pour qu'on passe là, genre. Ouais. Mon GPS, il me dit ça. Ton hostie de GPS, non, non. <laughs> » Puis là, il est parti. là, il arrive ici puis il me dit « Tu veux-tu avec moi, on va le regarder ?» Je suis comme « De quoi tu t'es défanché, genre, en comme 20 <laughs> minutes, genre ?» OK, c'est ça. Parce qu'il regardait à travers un rectangle dans le windshield qui devait ouais. faire genre 3 pouces par 6 pouces. Ouais, ouais exact. Puis okay. qui devait toujours le, le frotter ouais, pour Ouais, à travers. Il est arrivé ça puis il était congelé là, il y avait froid là. aucun bon sens. Là. Il dit j'ai les pieds gelés, peut parce que toute l'air qui sort elle est toute froide. Ouais. Ah ouais, c'était 100% à moins mais... 25 dans le char. Même si tu mets les trappes à zéro, il y a de l'air qui passe. Parce que en oui, plus, oui. le véhicule, c'était un véhicule qui, que le gars servait plus depuis un bout. Mm. Fait il, a juste, il était juste dehors. T'sais, il avait pas roulé le, la journée d'avant ou quoi que ce soit. L'intérieur du char était déjà fucking froid. Il 3. était déjà à 3. moins 25. C'était sûr et certain. Ah, ouais. Comme des fêtes Potter d'hiver. C'est pas qu'il est dangereux là, tiens. Faut pas, le nier, là. C'est à cause de sur les routes. Ouais, ouais, ben tu sais comme aujourd'hui là, un moins 25 en hiver avec la neige là, tiens. C'était moyen, Chris, là, tiens. Fait que Mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Ouais, pour toi, mettons. Mais pour lui, parce c'est lui qui va le conduire pendant un petit bout. Ouais, ben moi, je ferai pas une scène. Fait que c'est pas valable pour moi. Moi, j'étais juste comme. Il paye souper au moins. Euh, pas cette fois-là, parce que, check ça, la petite tech <laughs> technique qu'il a trouvée. Ah, c'est le rent contre Max, c'est le temps où non, livre de sac. Non, mais je veux dire, il sait que je l'aime, je veux dire, il, il chiale sûrement sur moi sur plein d'autres affaires, là. mais c'est juste drôle parce qu'il me dit tout le temps euh, « Ah, viens, je vais payer un souper ou tu viendras chez ouais. nous, on va souper et tout ». Pis là, euh, j'ai dit, euh, Hey, on passe-tu chercher quelque chose dans un an? Pis il me dit, ah, euh, oh, ben moi j'ai déjà soupé, hein, on va pas chercher un café. Puis j'ai j'ai pas soupé. <laughs> <laughs> j'étais genre, je pensais qu'on allait souper ensemble. <laughs> fait qu'on est j'ai arrêté ici, Puis j'étais comme, j'ai faim il est 8 Ah non. Wow. c'est juste drôle là, je mais pense mais que ça fait des au moins tu te des, as des souvenirs. Là. Ouais, pas sur le moment là pour être <laughs> franc, sur le moment, <laughs> c'était genre tu penses que mais rendu aujourd'hui, c'est fucking drôle. Ouais, c'est fucking drôle, mais genre personne au moment a arrêté, arrêté genre ben parce que tu peux pas le connaissance, tu... si tu parles plus, tu, tu collisses le feu, puis tu vas juste te rendre à ah, ouais, un autre niveau tu genre. Ouais, je sur le feu, si tu de Ouais, exact. Fait que ça sert pas grand chose d'en parler au moment puis de Mais tu es quand même perdu un doigt là-dedans par le froid là. Non, pas... genre... Attends <laughs> non. Ça une une Oui <laughs> au complet Noir mon gars Dégalasse Fait que sur ce Max on t'aime <laughs> Mais euh, sur les histoires Toi exemple, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine euh, C'est dans, trois dernières semaines Pas grand chose Première chose euh, que j'ai fait C'est que j'ai Fait l'acquisition Je l'ai pas encore en ma En ma, ma, oh, en ma propre pas la il pas Pas le En, possession. Possession. en, 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 si en peu, peu, Push him, <laughs> 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 um, pis. Je l'ai pas encore. J'ai acheté une lip. Incroyable. <laughs> pour faire, parce que j'avais déjà de, parlé. Lip d'Integra. Ouais, de Lip d'Integra 2001. Non, ah, pour vrai, je niaise en plus. Lip d'Integra nice. 2001. Parce que c'est connu comme quoi, hein? qu'il y a du monde qui disent que ça fit un peu sur les Surtout. 45. Les pompes ouais. de 45. Je suis comme surpris. Puis, euh, ben, tu sais, moi, j'avais déjà mentionné, je pense, que j'avais mes sidekirts, puis là, j'avais cherché une option pour faire une lip ah, ouais. mm -hmm. en euh, Puis là, une lip d'Integra, euh, <coughs> le monde, ils disent lip, le ITR à mettre. D'un, c'est cher, oh, les ouais. vrais, mettons. Ouais, ouais, c'est pas sûr. trouvable. Puis sinon, les options qu'il y a, c'est genre 200$ sur eBay, puis des lips en polyuréthane. Mm -hmm. Polyuréthane, ça se modifie pas. C'est du plastique. Ouais, pas ça ça, ça. ça se coupe pas. Pas de gosses avec fib water, ouais. la fibre, whatever. La fibre du polyuréthane, ça fait pas ensemble. Là, random. Là, j'étais comme. Hey, je vais aller voir sur marketplace s'il y a <laughs> pas genre des gens qui vendent <laughs> des lip. Fun, des des lip de char. J'ai juste cherché lip avant. Ou juste lip de <laughs> genre Puis là, je cherchais. là, il y a des, des lips Des easy lip. Tout de même. Uh, polyuréthane. Puis à un moment donné, je vois. Lip Integra de 2001. J'étais là, non. En fibre de verre. <laughs> ah oh, ouais. Ouais, là, je suis comme. What? 40$ pièces. Hein? Hein? Au pire, affute pas. Ah. <rire> 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 fait que Charlotte euh, a Nick euh, Shroomies qui est allé la chercher oh, à, à Bicanco. Ben Charlotte ah. ah. sa, sa blonde surtout qui est allée la chercher. Ouais, fuck lui, lui d'abord. Fait que là, faut j'aille la chercher <laughs> à Ted Mine à la place. <laughs> il écoute tous les podcasts, c'est sûr qu'il va m'entendre, il va me après. Ouais. Ouais, J'ai dit fuck, fuck lui. Sa blonde. Faut Mais remercier. non merci. <laughs> ah, ouais, ben non, mais il, il est bon parce qu'il a réussi à convaincre sa blonde d'aller faire une comme ça chez moi. Oh, ça, ça c'est bon, ça, ça c'est bon, c'est smart, bon. smart. Bon. Gros smart. move. Euh, fait c'est ça, j'ai une lip et j'attends de la voir. On va aller chez vous, Nick, puis tu me feras un souper. Puis euh, c'est ça, puis on verra ça va de quoi la lip. Aïe, aïe, attends, attends, Tu demandes d'aller chercher ta lip puis de faire un souper? Ouais. mais <laughs> pour, ben, Ça fait un bout de que les deux ont jase. puis euh, demande En tout cas, je ça être là, mais moi. <laughs> euh, autre chose. J'ai reçu des roues. Oh! Japan Spec a reçu des roues pour moi. T'es plein aux as, mon gars, même. On les a pas encore <laughs> vus. T'es plein. On les a pas encore vu. Je sais pas si Ça je vais Ça va les être dans un vlog. On va. Ouais. Dans un vlog, on va les déballer. On les déballe après ce podcast-là. Ouais. Que... Puis euh, on, on pourrait. Je pense que ce que je vais faire, là, ce serait une idée, c'est qu'on va le filmer rapidement. Puis on va aussi le mettre en bonus exclusif sur Patreon. Oh! Parce qu'on oh. vous donne pas assez de contenu, je ben non, on donne du contenu. Euh, ouais, mais tu sais, Mais tu sais, c'est l'hiver, ça fait qu'on a un peu moins en général. C'est mm -hmm. ça. L'été, cet été, on va avoir plein. J'ai mes routes mais... Caldina que je n'ai pas encore montrées en même temps. Fait on, fait on, Baroitte, on, ça va être un. On, un special. On, on va vous faire un bonus euh, Patreon, la gang. Ça fait que va t'abonner, ce n'est pas déjà le cas. Euh, <laughs> autre chose qui concerne toi aussi, Jérémy. Oui. On est allé euh, jusqu'à Saint-Zénon. Saint-Zénon. Ouais, pour faire un hype au Mont brassard. C'était une très belle place, en ouais. pensant. Puis le chemin pour se rendre, c'était incroyable. Shout-out, euh, mon brassard. Petit road Si t'écoutes si en ce moment. <laughs> c'est ça, si t'écoutes en ce moment. Euh, pour les gens monde. qui aiment les hikes, euh, c'est une belle place à aller, euh, surtout l'hiver. puis c'est boiteux l'été. On a aussi en notre podcast, temps... on monte tous ensemble. Ouais. On parle <laughs> juste parler de... Tu vas voir la page Instagram, <laughs> un podcast de hikes. <laughs> non, mais... mais le chemin pour se rendre, c'est vraiment le fun. Euh, surtout en hiver. Là, avec le... C'était vraiment féerique. Pour vrai, moi, j'ai vraiment aimer ça. Me promener à travers les, les, les chemins en zigzag pour me rendre jusque-là, c'était quand même vraiment très nice. Ouais. C'était la plus longue run que j'ai faite avec mon Caldina. Ouais. C'était euh, un, un, un baptême de feu. Un baptême de feu. J'ai fait genre quoi, <coughs> 500 km dans le jour. Mm. J'allais là, puis ben, après, je allé ailleurs. Cool. <laughs> c'est ça. Mais je suis allé à aussi. <laughs> goé, ben. Ah oui, c'est vrai. te rouler jusqu'à ton prochain point. Jusqu'à mon prochain point. Qui est que euh, gâté. je me suis gâté pour l'été qui arrive. J'ai acheté mon premier bike. Ouais. Parce euh, que j'étais pas assez de bébelles. Mmh. Non. J'en prenais un autre. <laughs> j'en ai pas assez qui peuvent me tuer. Fait que j'en prenne une autre. C'était un beau mountain bike que t'as acheté. <laughs> fait qu après avoir été marché au Mont Brassard, euh, je suis allé directement euh, à Saint-Lazare, c'est complètement à l'ouest de l'île, mmh. euh, aller voir un Honda VFR 800 2001. Mmh. Ah, euh, puis ben, je suis tombé, euh, okay. tombé en amour là. Pa mettons, pendant qu'on en parle de bike là, ouais, et ouais, de ouais, modèle, ouais, okay. ouais, ouais, ouais. explique donc aux gens comment tu en es venu à la décision de magasiner un VFR. T'avais-tu d'autres choix en tête? Ben, c'est surtout que moi, dans ma tête, je voulais avoir un sport touring parce que je suis pas un estime malade qui va payer 3000$ par année pour des plaques. Ouais. Oh fait que je voulais avoir des petites plaques de 1. Euh, de deux pour vrai le Honda <laughs> j'ai demandé un peu à, à du monde qui avait des bikes tu dans ma tête j'ai toujours voulu avoir un vieux bike pas, ouais. je voulais pas avoir quelque chose qui était récent le 2006 en montant genre ben en même temps c'est surtout ben je sais pas ben, je sais pas je guess <laughs> pour le prix c'est le fun aussi avoir un, un premier bike que il y a de chances peut de que peut-être tu l'échappes whatever c'est ça en même temps ta... si c'est pas un bike à, à 10 000$ c'est hum, ça. ça. Es, Moi, ma... anyway, j'ai jamais acheté de quoi de neuf comme véhicule. C'est sûr que je n'allais pas commencer avec un bike neuf. Puis, je voulais vraiment avoir le vibe pff, années 90, ouais. des bikes, des, des un peu sport bike là, qui que ça gueule pour mourir. Puis, je veux dire, c'était un peu plus simple que possiblement des nouveaux bikes avec de avec l'ABS Puis, d'autres affaires dans même. Puis, je voulais vraiment avoir ce style-là, là, de ouais. le bike japonais euh, années 90. Puis, euh, en premier, je suis allé voir un Suzuki Z750S, qui est exactement le bike d'un de nos invités qu'on a reçu, euh, Francis Paulin, qui m'a fait essayer l'été passé, que j'avais vraiment apprécié le bike. C'est des, des, des beaux bikes qui sont fiables, que lui avait acheté fucking 2000 piastres, ouais. euh, puis qui avait juste fait un peu de tune-up, puis le bike allait super bien après ça. Puis j'ai trouvé cool, je suis allé en voir un... Euh... Puis le gars le vendait cher un peu, je trouvais, puis il comme plein de bobos. Il y avait comme les quatre flashers qui étaient brisés. C'est comme des flashers montés sur des, des extensions en caoutchouc, puis le caoutchouc a séché, puis les, ça vendait euh. les, les, ouais, les, les flashers. Fait nice. que j'étais genre « Ouais, je paierais pas le prix d'un parfait pour quelque chose, de vais pas me mettre du temps dessus, tu sais. » Fait que... Je, je suis allé le voir, j'ai fait une offre au gars un peu trop basse pour lui. Euh, il m'a dit On euh, va fourrer ta mère, fuck you. <rire> <rire> il m'a juste dit qu'il n'était qu pas intéressé. Fait que, ben, je suis retourné chez nous, aussi simple que ça. puis Je pense que j'ai bien fait parce qu'il était revenu avec un prix comme dans la négociation. Ouais. Là. Puis, je pense que c'est 2008, son prix. Il était affiché 3000. j'avais avais ouais. offert euh, 2002. Puis à 2008, j'ai réfléchi, pis j'étais comme Ah, mais c'est pas si mal. Il n'y avait ouais. pas beaucoup de kilos, il y avait 20 000 km pour un, pour un bike à un certain âge. Puis il y avait de quoi dans dedans de moi qui, qui criait Prends-les pas. Genre, ouais. c'est plus qu'est-ce que je vois la valeur. Fait que, ça, genre, va-t'en ouais. Fait j'ai dit merci de ton temps, Puis j'étais Je suis retourné chez nous. par en même temps, le gars, il ne voulait pas me le faire rouler plus que deux secondes et quart. Fait que j'étais comme ah oh, ça sent trop Ah, ça c'était drôle mon gars genre il dit on peut partir le bike fait que je suis comme ah oh, ben t'sais il me le propose dans, dans le garage oui. ouais mais il voit la... là il rouvre okay. la porte de garage Je suis comme ah oh, ben d'ailleurs t'sais et là il part <laughs> cinq secondes écart. il commence à tousser et genre oh, oh ça sent fort le gaz on va éteindre ça tout de suite on éteint ça tout de suite <laughs> C'est Je suis comme la porte de la garage est grande ouverte. <laughs> genre, il toi du muffler. là. Du... <laughs> gars, il était à côté du, du dit, muffler. Il se reculait, là, il se virait de bord, là, puis il, il toussait là, vraiment intense. Là, comme... Moi, j'étais à côté de la pipe, j'étais quasiment le nez dedans. Là. Un vrai, un, un, un vrai bon. toussage, là, genre, il s'est tout fait pour vrai. Oui, 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 oui. oui oh, genre, il fait assemblage. <laughs> je veux pas, pas qu'il qu roule. Moitié, ou euh... Je sais pas, là, mais en tout cas, moi, j'avais la face devant l'exhaust en checkant le bike, puis j'étais mmh. comme. Okay. Oh, c'est <laughs> C'est pas si pire que ça. Là. <laughs> on arrête ça. Là. Je veux pas que ça sente le, le gaz. Là. Puis moi, j'ai une mauvaise ventilation ici. Je suis comme ça. Pendant que ça explose pas, l'exhaust, ouais. <laughs> tu peux pas l'allumer. <laughs> mm. En tout cas, je trouvais ça un peu spécial qu'ils voulait pas le faire rouler plus que ça en plus. Fait que après, je n'ai parlé euh, un peu aux, aux gars qui ont des bikes. Je sais, comme, tu sais, qu'est-ce que, qu que vous connaissez comme sport bike? qui est fiable qui pourrait être nice. Puis, euh, Jay Laflamme, un de nos bons chums, qui est aussi venu sur le podcast nous jaser, il dit « Ah, moi, quand j'étais jeune, mon, mon père, euh, il en remontait, puis on, on, les, on les revendait, puis c'est tellement fiable comme bike, devrait prendre ça, c'est ça coche, tu te trompes pas avec ça. Euh, » Fait que je commençais un peu à faire des recherches là-dessus. Puis, dans ces années-là, c'était un peu comme l'emblème du sport touring. C'était vraiment les Honda VFR. Euh, en termes de, de fiabilité, c'est dur de trouver de quoi que tu peux dire sur ta bike-là. La seule pièce qui est connue étant problématique, c'est que euh, c'est le régulateur de courant. Donc, le courant produit par le moteur pour, pour rentrer dans le système de charge, il y a un régulateur pour le faire passer en courant DC. Puis, ce régulateur-là saute. Mm. Puis, c'est chiant parce que le bike, ouais. il roule plus. Okay. C'est le seul bobo connu de ces bikes-là. Je trouve ça nice. Puis, lui que j'ai vu... Euh, il y avait quand même un prix intéressant il 3400, qui était affiché à 3004, qui était un petit peu plus haut que qu ce que je pensais débourser pour un bike. Puis c'est quand je suis arrivé là, puis là j'ai vu le bike <laughs> qui est fucking immaculé. Là. Ouais, Genre il y a peut-être deux stone chips en avant, le bike a 50 000 kg. Il y a fuck all. Le gars, il, il me parle. Il y a des factures. Euh, euh, il est allé faire check l'année passée. Euh, un, un gars qui me dit Écoute, là, moi, je gosse pas sur mes affaires. Il faut que ça soit prêt à rouler. Genre, quand je veux en faire. Fait que toujours entretenu dans un garage pas très loin. Il y avait rien à faire sur le bike. Là. Fuck all, fuck all, fuck all, fuck all. Puis il comptait le garder longtemps. Ouais. Puis finalement, il, pour, je pense que c'était pour euh, se promener avec sa blonde et acheté un, un Harley. Donc, un peu plus cruiser. Il a toujours voulu en avoir un. Puis il s'est dit, bon, c'est l'année pour le faire. Fait qu'il vendait ses deux bikes Sport Touring. Puis, pour vrai, tu dans ces négociations-là, quand il n'y a rien à dire, ouais. j'étais là, là, genre, je <laughs> voulais payer. Comment tu fais baisser le prix s'il si ouais, n'y a exact. absolument rien, aucun point valable? C'est ça, là. parce qu'il est beau, tu peux-tu me le réduire? Ouais. Ou tu dis, euh, tu dis, si je te paye cash, euh... <rire> <rire> que tu te me payer comment? <laughs> fait que tu Là, dans ce genre de négociation-là, quand j'ai rien à fucking dire, je commence toujours par T'as-tu un prix en tête que tu le laisserais partir? Mm. Fait que comme ça, c'est pas moi qui lance un prix. Fait ouais. que si Tu me... commences à les faire réfléchir, juste. C'est ça. Fait que s'il si me dit tout de suite genre 2008, ben Chris, je me sens pas mal de ouais. me prendre, tu sais. Fait que là, il me dit Ah sais 3002, sais ça serait pas si mal que je laisserais partir. Fait que là, je suis revenu à la charge avec 3000 puis on s'est entendu sur 3000. Mm. Fait que... Pour vrai donc voilà je voilà une on forme, va... photo ici ouais on peut, mettre, on peut mettre une photo on... je vois peut-être le présenter tantôt euh, en mettant dans le prochain vlog okay. on verra enfin, si on a ouais. le temps euh, puis c'est ça en même temps c'est la version juste avant le switch au VTEC parce que c'est les bikes de 2002 à 2000 qu'elle que je m'en rappelle plus après la génération après dans le fond euh, c'est des moteurs 4 cylindres v mm -hmm. mais vitek puis c'est <laughs> c'est un peu moins recherché ces bikes-là vitek parce que ça coûte un peu plus cher l'entretien vu, la, vu la, complexité, euh, la complexité du système Vitech qui rentre en jeu. Puis en même temps, ça a l'air quand le Vitech kick, c'est un peu intense. Ouais. <laughs> Je me doute <laughs> Mais on en parlait justement parce qu'à base, un, un, le, le principe du Vitech, c'est que ça. Les, le régime... Mais pas le régime, mais la il y a comme un gain de puissance à haut régime. C'est ça. Mais qu'à la base, une moto, ça roule jusqu'à très haut <laughs> régime. C'est ça, là. Fait que, là imagine... Ça kick à 12 000 tours. C'est ça. Puis c'est ça qui était un peu dans les review, C'était que le, le moment où est-ce que ça kick le vitex c'était un peu trop intense pour un bike. Ouais. fait que là, je pense en 2006 ils l'ont révisé soit à la baisse, je pense dans le RPM parce que ça monte, ça peut-être plus haut. en tout cas, ils l'ont révisé pour que ça soit un peu plus drivable que ce que c'était. c'est pas impossible à conduire, juste moins intéressant que la génération d'avant que j'ai. Mm. Euh, cette génération là c'est pas VTEC et c'est fuel injection, donc j'ai pas de carburateur comme les plus vieux ouais. bikes qui est un peu plus chiant, mm. mais j'ai pas les technologies plus chiantes qui sont arrivées après, comme ouais. le Vitech, qui est quand même nice. <laughs> J'aurais aimé ça vraiment à avoir premier Vitec dans ma vie. Sur un bike, <laughs> sur un bike on deux, sur un six. bike. Là. deux semaines après, il passe ses jambes. <laughs> ça, c'est le but que ça arrivera <laughs> pas. Là. Donc, euh, c'est ça pour euh, mon achat de ce temps-ci. Euh, là, moi, je vais me calmer <laughs> dans, les, dans les achats. <rire> <Ouais>. <rire> Parce que il y a d'autres affaires. Il y a des casques à acheter, des équipements. ça ouais. euh, ouais, euh, coûte cher. Ouais. Puis, je pense que vous avez peut-être remarqué, il y a peut-être un peu plus de lumière qui vient en haut de nous. Euh, ouais. Le Caldina n'est plus sur le lift. Oui, enfin, tu fini la suspension. J'ai reçu toutes mes morceaux de suspension, le véhicule euh, roule. Euh, ça a été vraiment vraiment simple comme installation pour vrai. Ben, c'est sûr, il n'y a rien de jamais. Fait que, ouais. mis ça en place, remis les springs sur les niveaux de choc, puis sol. Euh, il y a vraiment un beau stance maintenant. Je trouve que la hauteur est parfaite pour ouais, moi. c'est vrai Il n'est te... pas trop bas. Il ouais, roule bien, bien, par contre. Parce que pour ceux que ça. Ouais. Ouais. Pour ceux qui ne sautaient pas, tu pas juste, euh, remplacé la, les, les, les amortisseurs. Ouais, tu mis sûr. des springs pour le rabaisser un petit ouais, peu. Oui, exactement. Des, des springs à RSR juste pour donner une petite drop parce ouais. qu'il était quand même un peu lifté là, quasiment. Tu avais bien de la place dans les ailes. Là. Puis ça me gossait un peu. Puis pour vrai, la conduite est incroyable. c'est plus le gros bateau parce que ouais. quand j'avais la suspension avant, là, tu, tu prenais une bosse sur l'autoroute puis tu, tu sentais qu'il y avait un gros. C'est une suspension molle, tu sais. Il y a du travel. Ouais, exactement. Puis là, c'est vraiment... Ça leur a raffermi juste assez pour dire que c'est nice, mais c'est encore ultra confortable. Mm. Je peux pas dire que c'est pas confortable. Oh yeah. Puis, ben tu sais, après avoir donné tout cet amour-là à ce char-là, euh, il m'a donné euh, de l'amour en retour euh, par le fait d'une euh, clutch qui... Je, je ah. me rends pas. Là, ici, on voit devant... sur le comptoir. C'est <laughs> si euh, qui... <laughs> <point>, tout, là, je <laughs> pointe. Ouais. Qui commence à glisser. <rire> <rire> ah, c'est que Je triste. Euh, J'étais arrivé pour dépasser sur l'autoroute en 5 lui J'ai donné un peu de gaz, puis là, RPM m'a fait juste un peu plus haut que <laughs> ce qui serait normal. Ouais. Puis euh... là, c'est ça, j'ai compris. Que... On avait remarqué, moi, puis Max, quand on avait fini la suspension, on allait faire un test drive, puis j'ai écrasé genre la 3 ou la 4. Juste pour comme ben quand on teste, on, on ouais. l'écrape ouais. de tu sais. <laughs> ça a vraiment fait le type, Comme une transmission automatique. Là. Ouais. CVT, là. Ouais. Ouais. Après elle est redescendue un peu dans l'RPM. Là, on était comme oh c'est pas normal! puis finalement, on pensait que ce serait peut-être l'huile qui était. Je sais pas le, qui, avait, qui avait gelé vu qu'il était dehors le char ou quoi. Puis peut-être que ça mal fait parce que la quand tu ça à la clutch, elle collait un petit peu. Mm. Mais là, tu sais, elle ne colle, colle plus à suit le pied, mais ça glisse encore. Fait que, mm. euh, malheureusement, euh, quand je l'ai eu, je trouvais que le point de friction était haut. Mais bon, ça, ça roulait bien. Mais je pense que c'était en fin de vie. Ouais, quand tu l'avais su... mentionné que tu disais euh, Tu sais, c'est pas une clutch sport, mettons. Non. C'est ça là. Euh, mais probablement que c'était le problème qui est infatigué. Malheureusement, c'est ça. Je pense que il y avait 80 000 kilos le char ouais. Justement parce qu'il a fait beaucoup de villes. Fait que beaucoup de trafic, ah. beaucoup Ouh. de stop and go. Ouais. Euh, puis je pense que la clutch elle a juste. Elle a sa durée de vie utile ouais. qui a, qu a passé le temps. normal. Fait que en venant aller chercher mon bike hier, parce que j'étais allé le chercher hier, mais je l'ai le voir un peu avant. Euh, J'ai trouvé dans le même coin une clutch de T'as un 2 Turbo, <laughs> surprenamment bon. Qui fit exactement. C'est la même pièce. Ouais. Le même numéro de pièce entre les deux véhicules. Donc euh, une Exodie stage 1 euh, qu'on va pouvoir installer euh, un jour ou l'autre. Ça va faire un beau vlog. Un autre aussi. vlog. <laughs> hey, hey. Hey, 2022. Vlog. Si tu veux voir euh, comment euh, changer une cloche d'un Toyota Caldina, ça va être le temps. <laughs> T'es t'en un how to, 1. <laughs> Un out-to <laughs> Mais ça s'applique au Celica GT4 aussi. Ah parce ben oui. Exactement le même moteur, même transmission. c'est ah, un véhicule plus commun. Ouais c'est ça c'est ouais. <laughs> plus facile à trouver au Ben <laughs> voilà. Puis en même temps, ben changer une cloche ça se ressemble un peu pour ben des choses. que ça va être le temps de, ah, de, oui. de regarder ça. On va faire ça dans les prochaines semaines sûrement là, parce que là ça glisse, c'est gossant. Puis il y a des événements qui de drift hivernal mm. que je peux même plus Aller. C'est fucking triste. Parce que tu que kick trop? Ben, je pense que je l'ai vraiment tué le moment <laughs> où est-ce qu'il y a eu la première neige de l'hiver, puis j'étais allé le battre pendant une, une demi-heure hein. de temps. <laughs> genre vraiment intense, là. Genre, let's go, c'était chaque coin de rue de Marieville, euh, du Mexique. Ouais. Puis, <laughs> <laughs> puis ma neige, j'ai arrêté juste pour me laisser reposer le char, puis là, j'ai fait. Oh. Ça, ça un sent un petit peu à clutch, là. Fait que je pense qu'à ce moment-là, la clutch qui était pas mal en fin de vie, <laughs> quand j'y ai fait un beau clutch kick en sortant de d'une de, 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 de drift pour repartir de l'autre sens, elle s'est dit, ouais, non, euh, c'est fini. Bye. Ça glisse maintenant. Ouais. Fait que c'est de ma faute, mais bon, ça fait ça fait partie de la vie. Payer 300$ pour une flywheel et une clutch qui a 10 000 km ouais. gros max. Fait que, là, on est habitué de parler de, de pièces à remplacer, mais aujourd'hui, on n'a pas de pièces à remplacer. <laughs> non, 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 impossible qu'il y ait quelque chose à remplacer là-dessus, parce que ce qu'on s'est dit, vas-y, Xavier. Juste avant qu'on parte, le sujet ah. principal, oh, la gang. Oh, je vais oublier. C'est le moment, c'est le moment <laughs> de l'épisode. <laughs> tu veux profiter des deals? C'est le temps. Écoute, le podcast est encore une fois présenté par MT Custom Lights. MT Custom Lights, je pas c'est une entreprise québécoise euh, située à, à Bordier-à-Trois-Rivières. -à euh, euh, rouler, il s'est roulé par Maxime de son beau nom, euh, il personnalise les lumières. Personnalise, il met à jour, il costume. Petit costum projet, ouais. gros projet, euh, juste du black housing ou du white housing. Ça existe, ça de là maintenant. Oui, oui. Ah oui, ouais. oui. Ouais. Non, pour vrai. Tu veux des, pour tu veux vrai. des lumières clear au complet, euh, clear land, je pense qu'il peut t'arranger. Si tu veux Exorcer. y aller comme un asthme malade avec de quoi, avec un effet miroir, avec contrôlé par ton sel, avec ouais. des LED à grandeur en forme d'étoile, Des arc-en-ciel. Tu pourrais mmh. Quand même te mettre des, des, euh, des épées dedans. Oui. Ça peut ça peut ça peut ça s'applique autant à à ton Kia Rio ou ta Porsche GT3. Il fait yeah. toutes les lumières pour lui. Il n'y a pas de différence d'un projet à l'autre. Il adore ça. Euh, puis, il trippe de voir les clients partir. Euh, Parce que c'est vraiment le service son point fort. Ouais. C'est là-dessus qu'il met toute l'emphase dans sa compagnie. C'est de, de répondre à tout le monde puis d'accompagner tout le monde à travers leur projet. Sans un bon service, ça devient robotique. C'est ça. Ça. Fait que, euh... ça devient comme le, le self-service au Walmart. Là. Exact. Fait mm. là, lui, il va être là pour répondre à toutes tes questions, t'aider à avoir des idées. Euh, unique, mettons au Québec, euh, unique ou peu importe, t'es où dans le monde en ce moment quand tu nous écoutes? Charlois de la France. <rire> <rire> Puis euh, si t'es membre Patreon, qu'est-ce qui arrive? Si t'es membre Patreon, c'est là que t'as le big, big deal. Okay? Tu nous écris sur Patreon, sur la plateforme ou écris-nous sur Instagram, on va se reconnaître, OK? Puis tu nous le dis, euh, moi, je suis rendu à me commander des lumières chez MT Custom Lights, écris-nous, on va faire le lien avec MT Custom Lights puis tu vas pouvoir profiter d'un rabais de 15% sur ta commande. <laughs> oh my 15% c'est pas rien, là. C'est des... les taxes, c'est les taxes. Je me répète, mais tu ouais. faut le gouvernement du Québec et du Canada. <laughs> et voilà. Tant pis pour eux. Puis pour le monde qui ne euh, nous suit pas nécessairement sur Patreon, mais qui aimerait ouais. qu en, qu nous écoute encore ouais. communément, donc qu'est-ce qu'ils pourraient avoir eux ouais. si, si tu veux profiter aussi d'un rabais, ben, tu peux profiter de, du rabais Pin PINLA25. Tu mentionnes ça à MT Custom Life quand tu pour passer ta commande et tu vas pouvoir profiter d'un 5% de rabais sur ta commande. Mm. Fait que tu pourrais augmenter de 10% de rabais si tu payais 3$ pour ouais. un mois. Je <laughs> bah, ouais, ouais. Patreon, c'est worth it, on pourrait le... même te donner un bec. Et on Xavier, il va se déplacer partout au Québec pour donner des becs ouais, ouais. à chaque nouvel abonné. J'ai pas peur de me déplacer, guys. <laughs> c'est <laughs> ça. 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 Aujourd'hui, on remplace pas de pièces comme Tommy a dit. Ouais, on achète. C'est fini ce temps-là. Pourquoi? On achète neuf! On achète neuf, neuf. ce que j'ai jamais fait de ma vie! <laughs> wow. Parce que personne de nous a jamais fait, là. C'est <laughs> euh, vrai, hein? Jamais. Tout... On est des pauvres. Oh. <laughs> c'est vrai. <laughs> J'allais dire ton Mazda, mais. Pas neuf. Presque pas neuf. neuf. C'est acheter d'un dealer. Pour moi, c'est neuf. Ouais. C'est récent pour ouais. moi. En bas de 2000. En fait, en fait je pense que... Tu... En haut de 2010, c'est neuf. <laughs> ouais, c'est ça. Je vais dire en haut de 2000, mais... <laughs> ouais, non, là. <laughs> fait que... Ouais, on achète 9. Puis, on ne s'est pas fixé de budget. Non, mais on ne voulait pas tomber nécessairement dans les hypercars non plus. Oh. Ouais. on on va se mettre une limite ça. quand même. Ouais. Le Mettons que tu gagnes, on gagne 300 000, 400 000 à l'auto demain. Mettons. Genre. Tu n'as pas tout, tout flambé dans un char. Non, on va dire que euh, dans, on a eu un tirage Forza dans la vraie vie, puis on a le droit à un char gratis. Ok. Ouais, ouais. Ouais. Bon, bon, bonne référence. C'est ça. Bon choix. Bon. Fait que chacun, on peut choisir un véhicule à notre goût. Mais je tant je à croire qu'on a tous choisi des chars performance. Ben. J'ai pas choisi une Citroën ouais, van. Ouais. Moi, j'ai pris vois, une Mirage C4. <rire> <rire> wow. 4 portes, 100 HP. Eh <laughs> hey, bien, il y a la caméra de recul. <laughs> Faut être réaliste. Fait que, <laughs> euh, admettons que, Tommy, là, Ouais. tu parles de Mirage, là, pis c'est ça que t'as pris? Pas euh, Non, mais, OK. <laughs> je, moi, je vous pose en question, parce que je suis pas mal sûr que vous n'allez pas le trouver. Parce qu'on a jamais parlé de ce modèle-là. En fait, j'ai niaisé Max, mais c'est Max qui m'a parlé de ce modèle-là. Ah, oh, ouais Ok. 6.2 litres supercharged. Ok. Attends. 6.2 litres. Ah, oh, je pense que je sais. Ah, c'est une Cadillac. Je... Ouais. Hein? C'est une Cadillac? Fuck, ouais. Ah, yes! Mais non, en bon. même temps, j'aurais pas, pas <laughs> te dit ça. Hey, tu sais pas avec ton crayon dans ta main. <laughs> j'aurais pas dit ça parce que c'est l'LS d'un coup, mais bon. Cadillac, <laughs> <4 rire> 7 et 5 V. Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que vous ça, avez entendu ça, parler? J'ai entendu parler, mais tu sais, je suis pas un gars d'américain. Fait que j'ai jamais vraiment regardé. C'est un modèle fucking nice qui sort euh, 2022. Je crois pas qu'il est sorti en 2021, mais il, il est annoncé et il est vendu à travers le Canada. Point... En fait, c'est le modèle Blackwing. Okay. Ah oui. parce que dans le fond, ouais, c'est comme. Nom, il y a ouais, la ouais, CT5V ouais. qui est 3 litres V6 twin, euh, mais il y a aussi la Blackwing. With oui, le... stick. Ouais, exact. Mais c'est bon un... Moi, ce que, je, ce que je trouvais nice, c'est que maintenant, trouver une, une voiture performante manuelle, c'est difficile. C'est assez rare, disons. Il euh, y a encore Porsche qui en fait, il y a encore quelques modèles. Mais, je mettons, les Américains, je trouve ça assez. Même la C9, C8, je me La C8 est, est automatique. La Corvette ah, correcte, C8. Oui. Euh, ouais. euh, fait que c'est ça, ça. Fait que... les Camaros, je sais. Je les Camaros, Camaro, Camaro, je pense ouais, qu'il qu qu offrait peut-être Mais ça va mourir, mmh. une, Oui, c'est ouais, ça. <laughs> mais en tout cas, fait que 6,2 litres supercharge. 6 vitesses manuelles, mm. développe 668 HP. Dangereux, hein, quand même. 659 livres de torque, fait le 0100 en 3,4 secondes. Pis c'est propulsion. Okay. C'est propulsion. <laughs> Genre, moi, ça me fait caboter parce que c'est beau, c'est confortable, c'est luxueux. Ouais, ça fait un bon daily driver, ouais, alors, si on exact, veut pas, là. exact. Ah, ouais. Aucun est sens. Est-ce que tu sais. Parce que là, question typique, parce que c'est un américain. Est-ce que tu sais c'est quoi le poids Non, j'ai pas vérifié. Pas... Ben, c'est sûr qu'ils ne doivent pas le dire, euh, dire. Trois baleines. Je... Oui, c'est ça. Juste le, le LS doit être genre 10 000 livres. Oh, pardon, le monde de Québec, baleine. <rire> désolé. <laughs> c'est la bus. Mais bon. <laughs> euh, je... Moi, je, je voudrais. l'ai envoyé en, en, dans les photos en noir. J'aimerais bien l'avoir noir, avec l'intérieur noir, mais euh, des buckets de seats qui viennent en option. Ah oh, ouais. ouais euh, qui ont des accentuations bruns. Fait que, tu sais, comme tous les accessoires sont bruns. Fait que, mettons, les headrests avec comme une partie des... Qu'est-ce J'ai trouvé le poids. Ah, OK, oui, C'est pour ceux que je te là, parce que je l'ai mentionné. 1870 kilos. Fait qu'en livres. Deux ans au Canada, C'est métrique, hein, les grammes. Ouais, je sais. Je sais, mais... Tu te rappelles plus du tableau des unités de mesure? Quand c'est un gros poids, c'est en livres. Je sais pas ça. C'est pour ça que je me m'appelle en livre Ouais. Ouais. <laughs> ah. fait que... On peut calculer le, le nombre de Xavier que cette voiture comporte. <laughs> 4122 livres. C'est plus lourd que mon Q45. Ouais, c'est lourd. Bon. Okay, mais... mais pour compenser ça, c'est un Lunge Control <laughs> ah. d'origine. Ah. C'est environ quoi 3 4 Xavier 3,5. <laughs> <laughs> 3,5 <laughs> avec ses <Selena> lunettes <de> 12. <laughs> euh... Fait que ça fait que l'intérieur euh, serait comme en tissu brun. Euh, avec comme, ben, non, excusez-moi. Cuir noir avec des accentuations brun oh, Qu'on voit genre des de les puis comme les côtés de, des bocatiques. Ouais, ouais. L'intérieur des portes, Un etc. beige, mettons? plus euh, brun. Ouais, ben, je, je trouvais que la photo est un peu... C'est la plus belle photo qu'on peut voir là. Mais c'est brun, brun, brun pâle. pâle. Il ouais. okay. euh, y a une suspension adaptative. Comme pas mal de, de voitures, je pense. Ouais, ouais. rendu-le, c'est quasiment euh, standard de <laughs> ces chars <choses> là Ouais. <laughs> Brembo Break, puis euh, Launch Control. Donc, euh... y tu un aileron Bonnie. Euh, hmm. euh... Doc Bill. Doc Tell? Doc Bill. Bonnie. Chris? Docs Doc, Doc Bill. Non, 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 la compagnie. Rocket Bunny? Rocket <laughs> Non, non. J'ai raté Mais... ça à C'est des accessoires <laughs> qui se vendent. <laughs> C'est des accessoires qui se vendent en carbone. Il y a comme un package. Si tu veux, mettons vers le, le dernier, dernier. Là, tu prends le package carbone, puis tu as des, des, euh, des side skirts, puis un aileron euh, en carbone. God damn! Avec un. Ouais, c'est ça. Euh, tout ça pour un bon montant de 93 000 US? Euh, canadien. Oh! En, en, en dessous de la barre des 100 000. Ouais, ouais, mais exact. ça, c'est avant tout euh, frais de transport. Ouais, avant <laughs> financement. Pour ceux qui veulent, avant rêver, <laughs> qui veulent rêver et pleurer, j'ai trouvé le montant par semaine. Mm. <laughs> nice. Aux deux semaines, c'est 619 sur 8 ans. <laughs> 119 aux deux semaines. Ça, c'est sans compter tes assurances qui font gauze. Wow! Pendant 8 ans. Fait que moi, j'ai éliminé cette possibilité-là. La Mirage devient une option. Je fais plus que ça aux deux semaines. Fait que je peux. Ça rase la moitié de ses têtes. pour pense là en dépenses. Je pense des dépenses. Mais ouais, c'est vraiment un modèle que je trouve nice. J'ai regardé des vidéos en ligne et ça gueule. Ça a pas de bon sens. Ça a l'air tellement. On a besoin d'un sound clip maintenant. C'est juste, ça n'a aucun bon sens. Les gars qui font des vidéos, des reviews, genre, ils sont surpris à quel point ça, 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 ça tient les courbes. C'est le fun à conduire. Tu sais, on l'a toujours su, un son d'LS, c'est particulier. Mais je sais pas. Dans, dans ce mode-là, je trouve ça nice qu'enfin, un Américain... A un, mettons, un LS Ben, c'est la, la, vraie, la vraie nature américaine, le Gros moteur, ouais. supercharge manuel. Ouais. Tu sais, sachant que ça va être pas mal parmi les derniers, j'ai l'impression, là. Fait que je trouve ça nice qu'on a fait ça. Ils ont sorti aussi, euh, pendant que exemple, je cherche un ton, ont, euh, le CT4V. Donc, là, c'est le CT5V, le euh, CT4V, qui a une version Blackwing aussi, qui est manuelle c'est euh, vitesse, avec un moteur un petit peu réformant, euh, qui se vend comme 115 000 canadiens. OK. Oh. Fait que ouais. des petits modèles euh, quand même assez nice. Il est plus petit le CT4V, par contre. Êtes-vous prêt à entendre le son, boys? C'est jouissif, fun. <laughs> C'est des sons en, des sons euh, en action, par contre. Ça ah, détruit ça. Ça a l'air tellement avancé. Supercharge, il pleure. Ouais, tu l'entends. Ça sonne comme euh, mon, mon adapteur FM dans mon char. Euh, quand, quand, quand je branche un fil USB dedans, il y a un. qui <laughs> suis les régimes moteurs. Fait que, ça, fait que je trouvais que c'était. Ça me fait. Je trouve ça triste, par exemple, que la Corvette ait pas ces features-là. Sachant que c'est la Corvette la voiture la plus sportive. Ouais, mais tu sais, c'est un style. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Mais en même temps, je pense que ça dépend aussi peut-être de la cause du format du char. Euh, ouais, ouais. Moi, je manquerais sur son final. Moi, un 4 est port un qui est c'est c'est ça. Merveilleux, ça, c'est fait plus Daily Driver qu'une C8. Mais tiens, un Daily avec Driver. Le avec le moteur en avant. Propu classique. propulsion. Il y a il genre, une version Wagon. Euh, non, il n'y a pas de non. version Wagon. <laughs> de la merde. Ouais, parce que c'est vrai, <laughs> dans les années 2000, il y avait une version euh, de ouais. CTSV en euh, Wagon qui était fucking chaud. Du CTSV Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah, ah, ouais. Photo à l'instant ici pour les gens <laughs> sur YouTube, puis moi aussi je vais aller le regarder. C'est fucking show. Mais euh, toi, quest quelque que ça. Moi, je suis allé. Euh, hey, J'avais la misère à trouver, on dirait que je cherchais une voiture performante. Puis là, à un moment donné, j'étais comme. Tout le monde les connaît, on dirait. A, ouais. Tout le monde, ouais, c'est ça. Il ben, y, y en a plus beaucoup, on dirait. Je cherchais, mettons, dans le japonais. Puis des tonnes. Il y a la 400Z qui sort. C'est intéressant. Mm -hmm. On, dit on, avait déjà on parlé. a déjà parlé en, en, en mars. là Puis. Puis à part ça, tu sais, la Supra, on a déjà parlé. Il n'y a pas tant de choses que ça. Y a beaucoup, dans l'européen, il y a beaucoup de choix. Étonnamment, je trouve. Mm -hmm. euh, dont le manufacturier qui est comme en vogue dans les voitures sportives, qui est comme puriste, qui garde les. Il reste à ses habitudes. Mais ton fidèle à ses habitudes, Porsche. OK. Porsche. Porsche sont, sont bons à garder. L'esprit les, classique de, de sports car. Puis c'est même eux qui travaillent sur une un essence synthétique pour que les oh vieux, oui, vieux continuent de rouler. Pour pouvoir continuer de, de vendre des Et chars à, à gaz. What? Oui. 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 Ouais. Pour bien, je que ils ne pourront plus en vendre, mais au moins les vieux vont pouvoir continuer de rouler. Avec une émanation de carbone moindre Ça m'intrigue. Donc j'ai choisi euh, le Pormans Porsche. La Cayman? La Cayman, Ouais. La Cayman euh, 718 GT4, donc la dernière version, la dernière génération des Caymans, euh, version GT4, donc c'est un euh, 6 à plat, flat 6, euh, avec 414 HP, 309 torque, livre, euh, pied, les pieds <laughs> pied. Il y a 309 <laughs> pieds dans le char, ouais, ça, ça. vient avec dans <laughs> vallée c'est ça? Des petits hein? pieds. <laughs> un petit cauchemar, mais. <laughs> euh, véhicule mid-engine, évidemment, c'est une Porsche véhicule qui sort de base, transmission manuelle 6 vitesses. Euh, tu peux en, le, en, depuis 2019, tu peux l'avoir en option avec le sept, la 7 vitesses PDK. Mm -hmm. euh, moi, je dirais avec la manuelle pour l'esprit de conduite. Mais dis, pourquoi tu as choisi de la Cayman? Hein? Parce que ouais. la 9.1, c'est trop facile. Ah, ok de 1 la GT3. De, fait que t'as fait un peu comme Tom avec sa P3, t'es comme. <laughs> bah qu'est-ce qui, on... qu qui est emblématique de l'Allemagne Ah, oh, la 9 on... 911. Oh un, un, un. ouais, mais c'est trop facile. On va prendre le, le, la petite BS. On cherchait pas <laughs> l'emblématique, OK <laughs> Mais moi c'est le genre de véhicules parce que ce que j'aime c'est les véhicules qui sont petits, nimble, pas nécessairement genre les gros modèles super performants, super puissants. Tu sais la GT3, la la a Porsche <laughs> q 45. <laughs> Attends, mais j'ai pas d'argent non plus là. <laughs> Euh, c'est une autre affaire. Euh, la GT3, elle a 510 chevaux, si je ne me trompe pas. Puis elle a le 414. Oh. Une bonne différence quand même. Mais euh, c'est quand même, tu sais, c'est un, un 4 litres NA, euh, 6 à plat, comme je disais, euh, propulsion. Mais c'est quand même le package de la GT3. Tu as les freins de la GT3. C'est les mêmes chars. Ok, 6. quand même. OK. Oui, c'est un package. C'est super sportif comme char. C'est plus petit. Moi, je pensais que ça visait surtout euh, les vieilles madames qui veulent une Porsche <laughs> décapotable. C'est les Boxster. Ah! Mm. On voit ici toute ma connaissance <laughs> de Porsche. <laughs> mais c'est ça l'affaire aussi. J'ai choisi ça, mais je connais pas énormément Porsche. Je suis pas un fanatique de Porsche. Je trouve juste ça vraiment beau. Puis j'aime euh, leur esprit sportif qui garde un historique euh, pur, de Porsche, pur en tout cas. Oui. Puis c'est ça. Je prendrais l'option avec euh, Bucket Seat en carbone. Puis, euh, puis, ce qui est nice comme le véhicule, c'est que l'intérieur, c'est super euh, épuré. C'est un des véhicules qui sort, c'est rare maintenant qu'on voit ça, qui sort avec euh, sur, sur le volant, il oh. n'y a pas de commande. Il oh. n'y a pas de commande oh, au volant, ouais. c'est super simpliste. Puis, il garde ça super simple. Hey, y tu le cruise, là? Il euh, ben, y a, prend le cruise, mais sur un <laughs> bouton dans la console du milieu. Il pas t'sais. le cruise euh, de la mmh. Le ah. cruise, c'est au pied, tu mets une roche. <rire> <rire> là, je l'apprendrais aussi. Il y, y a le. Wow. Il y a le Sport Club Package, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, qui vient justement avec les buckets de seats puis une cage. OK. Dans le champ. Dans une le fond, c'est un GT2 RS, tu GT3. C'est l'équivalent de la GT3. OK. Parce que c'est littéralement la même chose, là. Ouais, juste un petit peu plus petit. C'est juste que la GT3, tu n'as pas d'aide. Tu as moins de place. <laughs> tu as moins de place à GT4 qu'une 9.1, comme ils disent, un daily driver, c'est moins pratique que okay, ouais. ça. Mais j'ai un CX5. Fait que... Non, c'est ça. Il est dévité d'avoir partout. Parce que tu vas regarder le CX5 ben, tous oui. les jours, là, Voilà. Euh, la, la, GT, la, la, la GT4 pour la fin de semaine puis euh, j'ai fait avec toutes mes options comme que je l'aime c'est un véhicule qui se détaillerait à 134 000 en Gentian Blue que je prendrais aussi en euh, canadien canadien waouh wow, vous, vous faites vos conversions c'est ouais, bien ben, je suis allé sur le site de Porsche mais c'est ça j'ai fait en, la même chose en canadien. <laughs> ouais, mais euh, je voulais juste ouais. te dire je te lave dans tout ben attends, attends, attends 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 attends. attends, Tu sais j'avais dit que tiens faisait Mais pour... 1870 kilos qui pesait ton 4000 livres. 4200. Le euh, ma 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 Porsche Cayenne GT4 pèse 1450 kg. Je comprends mais j'ai 250. C'est quoi 2.2 C'est 800 livres, 900 livres quand même de différence là. Pour combien d'HP? Attends, 200 HP, OK, de moins. <laughs> Tabarnak. Mais big. C'est HP, là, le HP dans le fond, puis ouais, je te mais le... Ouais, mais c'est pas un char de ligne droite. Euh, Celle-là aussi, là. Ben, attends, attends, attends. <laughs> excuse, excuse. Il fait quand même le 0-100, justement, en 3.8 secondes. C'est pas loin derrière ton 3.4, là. On devrait être proche. On devrait être proche. C'est pas si pire. Si Tommy conduit, c'est sûr que t'es devant. <rire> 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 <Miss> shift <laughs> Je fais grind à deux, donc. Pire oh, ben oh. la deux! Oh! <laughs> Euh, mais ouais, non, c'est un véhicule de courbe. Un véhicule pour les courbes, pour le spirited drive en montagne. Ah, ça, c'est un gars nan, qui nan, est allé nan, de dans en ligne droite. Ouais, c'est ça. C'est <laughs> <laughs> comme. Euh, je cours pas très vite, mais je suis bon dans les cœur. <laughs> <laughs> Genre, je fais des bons zigzags. <rire> 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 Puis, euh, non, c'est ça. Fait un véhicule léger, puissant, équilibré et petit. Comme, euh, tu sais, toi aussi, tu. Je pense que t'aimes ça, là, les euh, BMW. Ah, j'arrête de prendre ça. Euh, <rire> <rire> je pense, Après, on va présenter sa poche comme un fuck. On va recommencer. Ok, Les BMW M2, mm, petit mm. véhicule, tu sais, versus une M3. Juste, on dirait que la forme plus petite, le package plus petit, je trouve ça très intéressant. C'est tout. C'est pour ça que j'ai pris la Cayman. Hein. Mais je te comprends. Oui, je comprends. Mais est-ce que tu as, as, as choisi un petit véhicule, Jérémy? Non, <rire> non. <rire> mais je vois ton point de vue. Euh, moi. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé. Euh, J'ai vraiment une fascination en ce moment sur les sur Alfa Romeo. J'ai vraiment le goût d'avoir une Alfa Romeo, mais genre une, une, quelque chose qui est abordable, <laughs> genre que je peux payer 6000 pièces, même pas. Là. Ouais. Puis je me suis dit ah pourquoi on va. Moi je vais aller, je suis allé sur le site original de Alpha Romeo en Italie. Là, je voulais trouver un modèle qu'on je... Qu voyait pas, on voyait pas ici. Puis ils ont sorti en 2021 la Alfa Romeo Giulia GTA. Est-ce que, là tu peux se parler d'aller sur le site italien, uh -huh. est-ce que c'est parce que ce serait un modèle qui n'est pas vendu ici? C'était vendu à travers le monde. Ben en fait, au début, c'était juste pour le, le marché européen, africain, puis Moyen-Orient, okay. qui était supposé sortir. Okay? Il n'était pas supposé arriver en, en Amérique du Nord. Fait Il n'y en a pas en Amérique du Nord de ce modèle-là. Je suis désolé. Okay, Je suis désolé. Mais il en ont vendu aussi en Australie pour le au Japon. Fait que... Dans 25 ans, on va recevoir. <rire> <rire> on va en faire venir du Japon. <laughs> ça, oh, okay. <laughs> Mais euh... Ce véhicule-là, dans le fond, ce qu'ils ont, qu ont pris, c'est la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio qu'on a ici. Oh, Donc, la, ça, le haut de gamme de, qu'on a ici d'Alfa Romeo. Puis, ils ont juste décidé de euh, la rendre encore plus débile. Ouais. <laughs> Donc, ils utilisent encore le même moteur que la Quadrifoglio. mon italien est un peu raide. Mais la Quadrifoglio. Donc, un moteur V6 Twin Turbo de 2,9 litres. Euh, mais qui ont fait des petites améliorations. Euh, on a enlevé 220 livres de, 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 de poids à comparer de la Quadrifoglio. Euh, donc, des, on, pour a, atteindre ça, ils sont allés chercher des portes en alu, un drive shaft, hood, toit, bumper avant et extension d'aile en carbone. Bon. Euh, et en même temps, ils ont un petit peu tuné ça un peu plus agressif. Donc, on est allé chercher un 533 force moteur pour, pour ça. Ouais. Euh, donc, c'est 28 de plus que la Quadrifoglio qu'on a ici. Donc, juste un petit peu plus. J'imagine qu'il y a encore un petit peu de jus qui peut sortir euh, mmh. d'une belle une une tune avec de boost. Puis euh, en même temps, ben, on le décidé, ah, tant qu'à faire, euh, on va mettre un système d'exhaust en titane d'Akropovic. Nice. Okay. fait ils euh, sont allés all-in. Puis c'est une sortie au milieu, contrairement, je pense, à la quadrifoglio qui est, qui est différente peut-être. En tout cas, euh, je trouve que l'exhaust est assez malade au, en center stack au milieu. Ouais. C'est une transmission automatique ZF 8 vitesse, Je pense que ça partage cette transmission-là peut-être avec BM ou en tout cas… Ouais ZF, c'est BM. Ça ah, Donc, c'est une transmission qui est quand même ultra fiable. Je suis vraiment euh, étonné en ce moment que tu as choisi un char qui se fait pas en manuel. Je sais. Ça m'a fait mal ouais. aussi. Mais, mais j'avais tu... pas le choix. Il faut couper quelque part. Maintenant, c'est ça. Tu sais, je veux dire… Comme je disais tantôt, il en reste plus énormément. Euh, c'est ben, ça. C'est dur de trouver. Puis, ce modèle-là, ben, il venait juste automatique. Donc… Ouais. Qu'est-ce que tu veux, on vit avec. Mais je pense que euh, le véhicule fait en sorte qu'on a peut-être moins besoin d'un transport manuel. C est, c est le package au complet est déjà ultra sportif. Um, puis pour atteindre... Ce niveau-là de, de crazy. Il n'y avait pas le choix d'élargir le char avec les, avec les ailes que j'ai dit qui étaient en carbone. Ouais. Donc, il y a un white body, contrairement à la quadrifoglio, de 1 pouce de plus en avant puis deux, deux pouces de plus en arrière pour pouvoir fitter euh, du beau Michelin Pilot Sport cop 2. Donc, euh, si tu veux, Tire Sport, c'est Chris McCollum. c'est des Fender Flare en carbone. C'est pas mal ça! <laughs> <laughs> c'est des de Flares. Ah, Imagine-toi, ils ont pris une neuve, ils l'ont coupé au grinder. <laughs> ils ont juste craqué, craqué, Des, des métal de <laughs> Et euh, c'est le seul véhicule sur le marché, euh, quatre portes dedans, avec un système center lock pour les roues. Donc c'est une un grosse bon, carliste ben. de bottes au milieu. Nice. Fait wow, ouais, qu'il nice. ouais, faut que aies une oh euh, ouais. un pipe wrench de 4 pieds de long ouais. pour pouvoir euh, têter ça, parce ben que ça ouais. doit se t'aiter à genre 250 livres pieds. Ouais, mm -hmm. je pense qu'ils sont en 300. Oh ouais, c'est chiant des center lock pour ça. Je sais pas si tu savais, mais Jer Jeremy Clarkson capote sur ces modèles-là. Ah oh ouais. Genre ça fait comme quatre épisodes sur euh, la nouvelle émission que j'ai oubliée, euh, qui fait sur ce, ce modèle-là. Il dit que c'est genre la plus belle voiture. C'est vrai. C'est 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 Moi c'est le look surtout qui me fait capoter. D'Alfa Romeo ils sont tellement capables d'aller chercher un design qui est incroyable. Puis je trouve que ça fait vraiment. Ils sont vraiment plus belles que BMW parce ou Audi. Là. Parce qu'ils ont vraiment un look justement européen. BMW on fancy. Euh, très, des angles vraiment agressifs. Ah ouais, ouais, dessus, ouais. pis, euh... Moi, juste un, Mais, un point particulier, l'aileron. Euh... L'aileron, il est, il est très... Moi, je le trouve très beau. <laughs> ouais, moi, je tripe sur l'aileron. La façon dont a été volé d'une ses Ça, ça fait partie du package euh, GTA M. C'est okay. la GTA. GTA, ça veut dire Gran Turismo Alleggerita. Mon italien, excusez-moi. Euh, ça veut dire véhicule de grand tourisme allégé. OK. Euh... Puis M, c'est des améliorations. Puis M, il n'y avait pas de j'avais pas trouvé de définition du M mais c'est la version euh, encore plus intense que la GTA donc pour aller chercher la version, version M version malade ouais c'est ça la version malade Moi, euh, malade gros <laughs> la version M euh, retire encore 2,55 livres de plus que la GTA euh, ça c'est fait avec euh, le fait qu'ils ont fait fuck les sièges en arrière <laughs> ah ouais ok c'est la version track ouais ben c'est ça c'est un track car pour la rue il euh, y a une roll cage en arrière il euh, y, y a un dans les vu qu'ils ont enlevé les banquettes en arrière ils ont eu de la place ouais. <laughs> fait qu'ils ont mis des petits filets dans des dans comme des petits cups cup, des cup old, pas des cup holders moi des, des des, câbles, là. juste des des baquets, là, des, des trous des, pour des... rentrer un casque ouais, okay. <laughs> un casque qui vient avec la voiture donc t'as un casque custom belle qui t'est offert avec la voiture euh, t'as un extracteur aussi qui vient directement installé euh, puis t'as la vitre en arrière qui est en polycarbonate donc euh, toute fait pour sauver le plus de poids possible My God. T'as des sièges en carbone euh, Sparco <laughs> et des euh, ceintures 6 points Sabelt. Donc, euh, <laughs> c'est vraiment putain en fait, pour la rue, mais euh, ça vient de CarPlay puis Android Auto. Puis il y a un touchscreen de 8,8 pouces. T'es jeté dans ce char-là. C'est le char je... parfait pour aller même... à, à, à Saint-Zénon ou faire un hike. T'sais. Voilà. C'est voilà. fucking qu absurde que tu cherches à réduire le poids, mais ta grosse calisse d'écran, tu l'enlèves. <laughs> oui, tu veux un écran de 8,8%. Ah, ouais, je trouve ça absurde en <laughs> Christ. Mais tu sais, c'est un peu pour. Parce qu'ils voulaient rendre ça un peu quand même le fun à, à ouais. se promener dedans ouais. On est plus dans les années 90 où que les types Aera, pas d'iClim, pas de radio, ouais, ça, bien ça dit, là. Là, <laughs> Puis euh, l'aérodynamique a été développée par Saubert, qui est une firme d'ingénieurs de course de Suisse. Euh, et par Kimi Raikkonen, qui a oh. travaillé aussi sur le développement de l'aérodynamique. Donc, vraiment une voiture que tu chercher énormément de, de, de connaissances pour avoir ouais. ce package-là. Euh, ça vient aussi avec un car cover pour l'entreposer, euh, avec color match de ta voiture. Okay. Donc, euh, moi, j'ai choisi pour euh, ma voiture le vert, je ne sais pas comment il l'appelle, le vert ouais. Racing Green, on pourrait dire, là, ressemblant un peu. Tu avais aussi, je pense, rouge puis euh, noir, je pense, qui était disponible, mais... T'es un peu cave, tu prends pas vert, parce ben que c'est vraiment la plus belle <laughs> couleur. <laughs> sur ce genre-là, c'est incroyable. Euh, et ça vient aussi avec un sou de course custom Alpin Star. Donc t'es équipé pour faire de la course. Puis exemple que tu es comme t'es nous, puis que t'as aucune colis idée vraiment, t'es. T'es pas vraiment bon. Ça pisse, tu as fait un petit peu, mais. Ou t'en as juste jamais fait. Euh, t'as un cours de une journée euh, la, au centre de course Alfa Romeo qui t'est offert avec la voiture. Combien ça coûte? <laughs> euh, ça, c'est là que peut-être que je me perds un petit peu. <laughs> euh, y avait sur juste, 8 ans, je vais l'avoir sur a, 8 ans. Il y avait juste 800, euh, 500 unités de produits. Ah. Euh, 500 GTA et GTAM. Donc les GTAM, c'est sûrement encore plus rare. 50. Euh, ça vaut 280 000 canadiens. Sur 8 ans, je te dirais un bon 2000 par mois. Hein? Par, <laughs> par deux semaines Par deux semaines, je dirais un quasiment. <laughs> <laughs> Mais tu sais, je veux dire, c'est abordable. Là. Euh, en si même temps, quand t'achètes ça, ce genre-là de même, je pense pas que tu le prends sur 20 ans. Ben, non. quand tu achètes ça, il n'y a pas de financement. Non, c'est ça. Je sais pas comment ça marche. Y a tu quelqu'un qui a déjà acheté un char haut de gamme qui ouais, J'ai me... parlé avec quelqu'un récemment qui travaille chez euh, dans un dealer haut de gamme. Puis ouais. des chars, à, des chars à, à 300, 400 000, ils a ouais. pas, y pas de financement. Non. Non, les gens oh, achètent ouais. non, Mais c'est quand même absurde, là. Que tu fais financer ta maison à 300 000 pis ton char. Mais tu si ton financement est à euh, 0.05 là. Ça m'étonnerait. Oui, je sais, mais en tout cas dans la crise. En même temps, tu es comme, voulez-vous passer sur un prêt hypothécaire, genre, pis c'est ton char En tout cas, euh, so, so like, ouais. euh, ça a l'air que ça ne ça, ça se finance pas un char haut de gamme. Good. Fait content pour ça eux, c'est pas, eux, pas, pas un euh... bon investissement, je pense. <rire> <rire> non, non, Chris. Fait que, euh, moi, c'est ça que j'ai été chercher. Moi, je veux une Alfa Romeo bientôt. Mm. Euh, je sais pas, euh, genre en MR2, je sais pas. <laughs> ben Tu vois, ça va être All-in Japan Spec, pis euh, ouais, peut-être te le permettre. <laughs> C'est la voiture que j'ai décidé d'aller aujourd'hui. Je pense que c'est un modèle un peu moins connu. Je prise toujours. Oui. Alfa Romeo, ça passe plus. Pas ça passe inaperçu, mais souvent oublié, je pense. Exact, exact. En tout cas, au Canada. Mais Ils sont ici au Canada, mais. Moi, quand j'en vois une, ça roule. Même si c'est le modèle de base QQ avec des Mac 17 push, comme. Damn! C'est nice. C'est Mais c'est parce que ça punch comme char à cause de la grille avec un triangle. Ouais, exact, exact. C'est vraiment particulier. Ouais, ouais. Le design, ils long à côté. Ouais, Solide. Vraiment. Fait que, ouais. voici nos chars. Recap. Tommy, il choisirait une Cadillac CT5V. Blackwing. <laughs> 2020. Ouais, Blackwing, exact. 2022. Je boum. choisirais personnellement une Porsche Caïman 718 GT4. <laughs> Puis pour ma part, ça serait l'Alfa Romeo euh, GTA 4. Euh, Giulia GTA Oh my God, <laughs> je starne. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Alfa Romeo Giulia GGT AM. Ouais, il Fait que cette semaine, on va peut-être avoir un petit sondage qui va sortir ouais. pour euh, choisir qui, qui est qui le genre ouais. le plus haut parmi les trois qu'on vient de noter. Ouais. Okay. Euh, fuck la Porsche Big. Je te dis, prends pas en compte mon prix, s'il te plaît. <laughs> euh, C'est pas dans les. Pas dans les critères. Non, mais non, non, mais euh, comme on s'imagine pas de prix normalement, ouais, hein. parce ouais. que je pense pas que justement, vu que le, 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 ton choix est à 100 000. Il rivalise quand même à son char à 300 000. C'est ça. Ouais. Fait Je me fais sur un astuce de temps, là, mais. Dans le fond, hein. qu'est-ce qui t'aimerait le plus conduire parmi ces trois véhicules là? Ouais, mettons. Mmh. Avec... T'en as un pour une fin de semaine. C'est ça. Une belle fin de semaine. qui fait beau, l'été. Pas genre en fin de semaine, là, là. <rire> <rire> fait que. Ça fait un petit méchant bout qu'on n'a pas fait ça. Ouais. Puis j'ai eu ben des demandes. que le monde trouvait ça plate qu'on a... qu en a de moins en moins. Euh, des JDM Corner. Puis aujourd'hui, on a la chance dans. dans d'avoir le temps d'en faire un. Puis cette semaine, j'ai décidé de plonger dans une partie de l'histoire de Mazda euh, qui s'appelle la Mazda Cosmo. Vous connaissez peut-être la dernière version qui est sortie dans les années 90 avec euh, un moteur de 3 rotors. Cependant, aujourd'hui, on se concentre sur la première première gemme, l'original, oui, des Mais OG. Avant, Cue the music. Mais avant, Cue the music. <rire> 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 Ouais, C'est de la danse. <laughs> Donc, la, euh, la Mazda Cosmo, elle a commencé la production en 1967 jusqu'en 1995. Euh, Aujourd'hui, on va se concentrer sur la première génération qui est de 1967 à 1972. Euh, C'est le flagship de Mazda, aussi simple que ça. Euh, C'est la voiture emblématique où est-ce que Mazda voulait absolument démontrer tout leur savoir-faire. C'est aussi le premier véhicule commercial de Mazda avec le moteur rotatif Winkle. Donc, c'était le OG, lui aussi, pour ce qui est de, du moteur rotatif de Mazda qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais ça, c'était le premier à l'avoir fait connaître de chez Mazda. Euh, le nom Cosmo, vous allez me dire? C'est un drink. C'est un, est un est drink? Euh, est-ce que toi, Tom, as tu as une idée où est-ce que ça viendrait, Cosmo? Euh, du Cosmos. Ah, T'es proche en plus, pour vrai, parce que Mazda a utilisé le mot cosmo pour refléter la fascination du temps face à l'exploration de l'espace puis de la Lune. Okay. Donc, c'est en lien avec la course vers la Lune, juste pour, en le fond. Montrer que ce véhicule-là, c'était la technologie du futur. Mmh. Pis ouais. tu vois aussi beaucoup dans le design. On va pouvoir partager des photos un peu à gauche, à droite de, cette, de ce véhicule-là pendant très... que je parle. Mais tu sais, c'est vraiment poussé heavy euh, spaceship un petit peu. Ouais, c'est bizarre que spaceship ce soit un triangle. Là, hein? Ouais. Parce que tu sais, eux, ils voyaient <laughs> leur nouveau moteur comme une technologie avancée. Parce que tu sais, il y avait moins de pièces qui tournaient. Ça, se dé... Ça sortait ouais, complètement ouais. du cadre habituel des moteurs à piston. Donc ils se disaient. Euh, que ce serait comme le thème général du véhicule. Mmh. Je peux pas se rendre compte qu'à 100 000, faut qu il faut qu'il rébite le bloc. C'est ça. <rire> <rire> un petit point, là, en prendre en compte. Euh, pour ce qui est de... Là, je vous ai dit que ça commençait en 1967. Par contre, de 1963 à 1967, Mazda faisait le développement de ce, ce véhicule-là. Et euh, un fait marquant que j'ai trouvé vraiment nice, c'est que Mazda a construit 60 exemplaires prototypes de ces 60 exemplaires un euh, de prototypes il en reste seulement un les autres ont fait quoi le les autres vu que c'était des prototypes Mazda les détruisait ok oh shit donc il en reste juste un qui est présentement euh, chez Jay Leno, là. chez euh, Mazda encore okay. au Japon <laughs> euh, mais pas dans le musée historique de Mazda c'est dans euh, euh, je pense que c'est le, le, le bâtiment d'ingénierie de, de Mazda à l'entrée. Donc, quand on va là au Japon, ouais, on va ouais, bon hein? Puis, euh, dans le fond, ces prototypes-là étaient distribués dans les concessionnaires afin d'être conduits par les concessionnaires. Donc, dans le fond, ils voulaient avoir le plus de feedback de leurs concessionnaires. Donc, ils faisaient conduire. Ils ont accumulé environ 400 000, 000 tout ça, ce que j'ai lu, là, 400 000, donc euh, on va dire euh, quasiment 600 000 kilomètres de route parcourue par les dealers dans, avec ces 60 exemplaires-là pour améliorer la voiture à travers le, les prototypes. Puis, il y avait euh, trois tunes différentes qui étaient offertes off pour les dealers selon leur région. Donc, j'imagine qu'il y en avait un qui c'était plus chaud, plus froid, puis adapté comme les moteurs selon la, la, la place où est-ce que le dealer était et, établi. Puis, chose que je trouve vraiment hot euh, un petit peu qui revient avec l'idée euh, de la technologie et tout. Euh, puis un petit peu d'histoire, euh, c'est qu'il y a un emblème qui se retrouve sur les prototypes seulement. Sur le pilier B, donc tu as le pilier en avant du windshield, tu as le pilier qui est comme au milieu du véhicule, le pilier B, puis le pilier C à l'arrière. Sur le pilier B, il euh, y a un, un emblème en forme de rotor, donc comme un rotor de euh, rotatif mais avec le signe atomique euh, au, euh, au milieu. Puis pourquoi il y a un signe atomique, ce véhicule-là? C'est que Mazda a joué un rôle assez majeur dans la reconstruction d'Hiroshima, qui a été atteint par... Euh, ah, J'allais faire une joke euh... sur Hiroshima, en plus. <laughs> <Richemont>, Hiroshima, Hiroshima. <laughs> Donc, c'est vraiment pour... Euh, un petit peu pour ramener l'histoire du côté d'Hiroshima, oh, oui. où est-ce qu'ils ont vraiment participé aux, aux efforts de reconstruction de cette ville-là. Oh, Donc, ben. ils voulaient, à travers cette voiture-là, avoir un petit... De, ben pas de feedback, mais un petit, une petite pensée pour euh, le monde qui ont péri et pour les, les efforts ouais. qu'ils ont eus aussi dans, euh, pour la reconstruction. Par, parlant de branding rapidement, ouais. j'ai une question, Jérémy. Vas-y. C'est toi. Ouais. Tu me laisses la parole? Vas-y. Okay. Euh, Est-ce que. Moi, j'ai. Genre, je recommence. Moi, j'ai connu les Cosmos appelés Eunos. Ouais. Comme appel, appelé Ernos. ouais. Est-ce que c'était à cette époque-là? À cette époque-là, Unos n'existait pas encore. OK. Parce que je t'explique rapidement, ça si va pouvoir faire partie du prochain JDM Corner qui va peut-être parler de la génération qu'on connaît plus de, de Mazda Cosmo. Unos Cosmo. Euh, Unos, c'était la marque haut de gamme de, de, de Mazda au Japon. Donc, ça n'existait pas encore dans ces années-là. Ouais. Donc, c'est juste Mazda Cosmo dans première génération. Ils ont, ben on pourra en parler. Ils ont switché de. Ils ont gardé le modèle, mais ils ont juste switché de branche de Mazda. Genre, ouais, exact. C'est spécial. Exact. Donc le premier moteur qui a été mis dans un Cosmo, c'est euh, le moteur 10A rotatif. Au début, la première génération, donc le L10A, donc de 1967 à 1969 environ, euh, 1965 à 1968, excuse-moi, donc les prototypes et les premières générations qui ont été construites, c'est un moteur de 110 HP avec deux rotors et 96 livres de torque. Donc, euh, dans ce temps-là, c'était torqueux, des, 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 des rotatifs. C'est bien. <laughs> il y avait quasiment autant d'HP que, <laughs> que, de, que, de, que de torque. C'est bien. C'est une manuelle 4 vitesses avec des roues 14 pouces. Donc, euh, j'imagine que 14 pouces dans ce temps-là, c'était des grosses roues. Oui, oui. Oui, ouais, ouais, oui. Ouais, ouais. Puis ensuite, de 1968 à 1973, donc la génération, parce qu'on a eu plus de produits un petit peu, euh, il y avait une belle amélioration du côté manuel. On avait 130 HP. Mm -hmm. Et 98 livres de torque. Donc, le 2 livres de torque se faisait très sentir. Euh, on avait une manuelle 5 vitesses. Ça, c'était vraiment, vraiment sportif dans le temps, une 5 vitesses. Et des roues de 15 pouces. Pour vrai, 15 pouces. Est-ce que c'est là que le, le 13B est né? Ou... Non. Ben, c'est... Parce que moi, je me disais... C'est le grand-père, là. Ouais, c'est ça. <laughs> <laughs> le... C'est 3... le premier oh. moteur rotatif, là. Donc, tu sais, le 10A, c'était... Ouais. C'est vraiment... C'est pour dire la, la cylindrée. Donc, 1 litre. Puis ouais. le, le A, c'est l'appellation ah, okay. interne. Ah, Dans ma tête, c'est comme... Euh, le 10A, ça fait 110, puis là, là il fait 130. Je me disais, peut-être le... Non, 13, non, c'est pour la, la cylindrée, le okay. 10. Donc, c'est 1 litre. Euh, donc, en total, entre 1963-1972, et 1972, on a quand même 1259 unités qui ont été produites. Donc, très, très limité. Euh, Aujourd'hui, ces véhicules-là, ça se vend entre... Il euh, y avait un modèle complètement tout rouillé qui s'est vendu, genre, 40 000 US, puis il y en a les plus beaux exemplaires qui se vendent, quasiment, 300 000 US. Donc, c'est cool. euh, vraiment... Ce genre de véhicule-là commence à prendre énormément de valeur avec ouais. la bulle JDM qui arrive actuellement. Puis, c'était pas si tu sais, le quart de mille, euh, pour le modèle avec euh, 110 heures. HP, c'était 16,4 secondes. Ah, c'est pas ouais, C'est moins de 2 ans. Je pense que ton central battait, tu sais. Oui. <laughs> <laughs> ah, oui. Puis là, Mazda, ben, c'était du monde très fier. Hein. Euh, Ils venaient de sortir leur nouveau moteur, puis le monde avait de la misère à faire confiance à ces moteurs là. Puis encore aujourd'hui, <laughs> mais euh, en, dans leur première génération, ils se sont dit on va prouver au reste du monde que ces moteurs là sont fucking fiables. Puis les Chris ils vont, va, ils vont le voir parce que on va s'inscrire à une des courses les plus difficiles de l'Europe. Ils, ils ont engagé deux Mazda Cosmo 110S euh, dans la course d'endurance le marathon de la route de 1968. C'est 84 heures d'affilée sur le Nürburgring, le Nürburgring en Allemagne. 84 heures. 84 heures, ce qui équivaut à environ 3,5 jours de course non-stop et environ 9700 km dans la Rod. Nice. Il va ouais. y avoir un changement de pilote, je peux pas croire. Oui, il y a des changements de pilote, ouais. ouais. Non, 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 ouais. ils ont. Le ils ont, ils ont, ils gars, t'as allumé à des coms. <laughs> Je devrais inventer une boisson énergisante. Boum, le Red Bull est Dans gris. ce temps-là, les boissons énergisantes n'existaient pas. Ils faisaient uh -huh. juste s'injecter de la coke. Ouais, l'héroïne, mon gars. Ah, Puis ils pissent dans une bouteille en conduisant. That's ouais. that's <laughs> il y a une, une naïa branchée sur le pen, là, au bout. Là. <laughs> avec du tape ah, okay. donc euh, sur 51 participants de cette course là il y a seulement 26 hum. qui ont fini c'est quand même une des courses les plus difficiles ouais, je peux puis la voiture numéro 18 une des deux voitures de, que Mazda Europe a engagé dans cette course là euh, a dû se retirer après 82 heures donc il manquait oh. juste 2 heures oh, à la course pour terminer oh, parce que suite à un, à un problème de pneus donc j'imagine ça c'était vraiment les détails de 1960, 1968 sont assez lousses, là. mais hum. euh, ça a l'air qu'il y a probablement eu une crevaison puis le véhicule a euh, dérapé hors du circuit et a brisé son axe à l'arrière. C'est oh. vraiment triste dans, dans, parce que c'est pas dans le gosse. moteur qui était la cause. Toi. Non, c'est vraiment, vraiment, un pneu qui a décidé ouais. que. Donc c'est une gestion de course qu'à mm. quelque part qui, qui a eu une petite, une petite erreur. Cependant, la numéro 19, donc l'autre véhicule engagé, terminera en quatrième place euh, en, au total en général et en troisième place de sa catégorie. Donc, euh, en termes de durabilité, ils ont vraiment prouvé que. Euh, c'était des moteurs qui étaient capables de supporter énormément d'abus. Donc 84 heures d'affilée ouais. euh, dans road c'était quand même une belle, une belle expérience. C'est C'est 4 jours. C'est 3 jours et demi, ouais. sacrément Non-stop. Non-stop. tu penses? Il <laughs> euh, y, a, y a du footage que j'ai réussi à trouver de wow. 1968 de cette voiture-là. Ouais. Puis on va pouvoir le faire rouler immédiatement. Ça dure 25 secondes. Fait que euh, voilà Tom, tu t'amuses à faire le montage. aujourd'hui. <laughs> <laughs> <Worker Magic. rire> je ramène ces shorts, je fais son montage. C'est la bitch. <laughs> Donc après, vous allez me demander pourquoi, pourquoi Mazda, qui était au Japon, qui était peut-être pas encore super connu en, en Europe, ils sont embarqués dans cette course-là. Pourquoi ils ont pas juste fait une course au Japon d'endurance, qui aurait pu très bien faire la job Ben c'est parce que la compagnie allemande NSU venait juste de lancer. Juste avant Mazda, ils ont, ils ont sorti le premier véhicule au monde avec un moteur rotatif ou mm. de série. Donc, Mazda se sentait vraiment... Euh... Ça, ça couper l'herbe sous le pied. Couper l'herbe sous le pied, exactement. Donc, c'est la NSU RO80 qui venait de sortir. Puis, ils voulaient... Il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui étaient très sceptiques vis-à-vis -vis ce véhicule-là, la NSU, principalement parce que c'est un de vidange. <laughs> tout ce que je lis, tout ce que j'ai lu sur ce véhicule-là, c'était que les moteurs étaient pas capables de durer plus que 50 000 km. Ah, okay. Puis même que certains arrivaient à 24 000 km avec des problèmes. Ah, et puis c'est pas autant, pas aussi sexy que la. Pas aussi sexy non plus. Que la <laughs> euh, Puis que finalement, la plupart des véhicules-là ont eu un changement de moteur pour un moteur de Ford. Parce que les moteurs rotatifs c'était juste impossible vraiment... à faire. Ton moteur sur la est route. plus fiable qu'un Ford. <laughs> c'est ça. Donc euh, c'était vraiment un mauvais exemple de moteur rotatif. Puis Mazda voulait vraiment briser ça. Euh, puis c'est là aussi la première course à vie de Mazda en Europe. Donc, ils ont pas, mmh. pas pratiqué avant ailleurs. Là. Ils ont juste décidé, à laquelle la plus tough, c'est elle, on va à faire. Ouais, à fait fait qu'ils sont préparés pendant un an, on pourrait dire. À go, euh, en fait. Puis, ils ont préparé le moteur de course pour cette voiture-là. Puis, ils sont lancés. Puis, ils ont quand même un très bon résultat pour ce que c'était. Ouais. Ils sont fait devancer par deux Porsche. Bon, enfin. Bah. Fait que, tu sais, deux Porsche 911. Mmh. Pas si bon, mal. Sachant que Porsche, ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années qu'ils font ces deux des... ça. C'est ça, c'est ça. Donc, tu sais, c'est pas très gênant. Ils étaient en territoire ennemi. Oh. Exact, ouais. exact. Donc, euh, c'était pas mal ça, la première génération de, de Mazda Cosmo. Je trouve que de garder ça un peu plus court, ça va être plus intéressant ouais. euh, pour la suite parce qu'il y a quand même quatre générations de Mazda Cosmo. Il y en a deux au milieu qui sont pas mal moins connus, puis je vais peut-être en parler discrètement la prochaine fois. Mais la dernière génération, qui est la quatrième jusqu'en 1995, c'est elle la plus malade avec un moteur ah. 20B. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est le seul véhicule au monde produit avec trois rotors ouais. d'origine. Enfin, d'origine. Donc, on va pouvoir parler de ça dans, le, dans, un, prochain. Surpris. dans un prochain Je serais Je pensais pas que c'était 20 ping. Ouais. Ouais. Donc, c'est un, un rotatif 2 litres, dans le fond. Oh. Le 13B, 1.3. Oui. Ouais, non, je me doute que. <laughs> Mais <Même> ça marche. <rire> 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 Donc, okay. sur ce, ouais. euh, bon petit podcast, les yes. boys. Yes, Yep. Yes. De retour, euh, les trois ensemble. Puis, le prochain épisode, encore possiblement, les trois ensemble. Yes pour l'épisode 69. Ah, oh, yes, boys. Nice. Yes! on va filmer nice. ça à 4h20. Puis il va durer 42 <laughs> minutes. On va faire un notre... 4h20 minutes. On oh. va faire un de marathon. On est juste gelé pendant <laughs> genre 4 h Check moi ben. <laughs> on smoke le garage. Ça <laughs> <Smokes. rire> <laughs> ça va être long de boxer ça. <laughs> dans ma... <laughs> Souffle dans même ma... smoking. Ouais. Fait que sur ça les boys, on suit on suit toute la gang en oh. même temps à go on suit sur Instagram tout le monde Instagram Facebook on est même rendu sur TikTok grâce à Tom qui ouais. a fait du solide travail parce qu'on est quand même rendu avec une vidéo avec 1000 views ouais, ben damn ouais. j'ai marqué euh, genre plein de trends, en tout cas pas ah, grave. cool genre, ouais. genre, <laughs> genre poppy videos puis même, euh, hashtag bah, poppy clean talk <laughs> okay. donc euh, Facebook Instagram YouTube TikTok euh, Spotify on est sur Apple Podcast et Patreon Patreon pour les intimes. Yes! On a des packages à 3$, 5$, 10$. 10$ si tu veux être MVP et qu'on promote ton brand. Ou que tu ne fasses n'importe quoi. Un des deux. Exact. Donc sur ce, bonne semaine les boys et girls. Tourlou. Bye. 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 <laughs>